On en était la dernière fois, donc j'ai énoncé une proposition euh, qui est le résultat euh, de ce que Yves et moi appelons la dérive exponentielle. Donc la dérive exponentielle, c'est une technique pour fabriquer, quand on a une mesure stationnaire, sous certaines hypothèses, euh, il y a ces mesures au bord, la les B, et on fabrique, on arrive à fabriquer des nouveaux éléments qui la préservent. Voilà, c'est le cœur de l'argument j'en parlerai, j'expliquerai je, je, comment fonctionne cette technique la prochaine fois. Et ce que j'ai énoncé à la fin de la dernière séance, c'est ce que donne cette technique. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de la dérive exponentielle, je vais réénoncer le résultat par lequel j'ai terminé la dernière fois, qui est ce que donne la dérive exponentielle, et je vais montrer comment ça permet de conclure la classification. Donc, euh, la dernière fois, euh, j'ai énoncé, je vais le formuler comme une proposition. Donc, G est un groupe de Lie, Lambda est un réseau. Donc ça, c'est euh, ma situation habituelle. Euh, mu, euh, donc je vais toujours dénoter, noter, pardon, dénoter, c'est un anglicisme. X, et ce sera toujours le quotient G sur lambda. Et je m'intéresse à des phénomènes de dynamique dans ce quotient, de dynamique des actions, euh, de dynamique des, 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 des sous-groupes de G. Donc je prends mu ce sera une mesure de probabilité borélienne sur G, euh, et je vais faire mon hypothèse habituelle, à savoir que, alors maintenant je suppose mu à support compact, hein, c'est vraiment au cœur de l'argument de dérive que l'hypothèse que la mesure à un support compact intervient, pour l'instant ce n'est pas sans passer, mu est à support compact, et surtout, quand je prends euh, l'action adjointe de gamma mu, alors gamma mu c'est le sous-groupe, hein, ça c'est une notation générale, c'est toujours le sous-semi-groupe engendré par le support de mu, donc, quand je prends l'action adjointe de gamma mu, et euh, je suppose que ça a une adhérence de Zariski, qui est semi-simple, sans facteur compact. Et on va voir aujourd'hui précisément à quel endroit, d'ailleurs, hein, c'est en passant. Euh, ça complique les choses quand il y a des facteurs compacts. Vous verrez qu'on peut conclure qu'on peut dire qu'on peut exactement classifier les probabilités stationnaires quand c'est semi simple avec des facteurs compacts, mais qu'il y, y a un problème qui devient un peu intordable. Bon, c'est juste que l'énoncé devient vraiment un peu complexe. Euh, donc, donc je suppose qu'il n'y a pas de facteurs compacts, que c'est semi- simple et euh, je note alors hein, ça on a vu apparaître la dernière fois, dans les problèmes de savoir si, est-ce que quand nu est sans atome, les nu b sont sans atomes, ces choses-là, un rôle important était joué par le centralisateur, que je vais toujours dénoter, enfin euh, noter L, pardon, le centralisateur de gamma mu dans G. Donc c'est un sous-groupe fermé de G. Et je vous avais dit, donc bon, bah, la présence de centralisateurs dans les phénomènes de, euh, de divergence hors des souverainetés fermées, de choses comme ça, euh, ça rajoute un peu de complexité. Mais bon, on arrive à se débrouiller. Et on va voir aujourd'hui à quel moment on traite les problèmes de centralisateurs précisément. Euh, L, c'est le centralisateur de gamma mu d'Angers. Et donc, pour lancer la dérive, hein, c'est ce que j'ai expliqué au cours de la, euh, des deux dernières séances, pour lancer la dérive, il faut des mesures qui ne chargent pas les orbites du centralisateur. Donc je suppose que euh, alors voilà maintenant voilà ça c'est les hypothèses c'est long hein je me suis moqué des gens qui étaient arrivés avec beaucoup d'hypothèses la dernière fois mais bon j'appartiens un peu à cette catégorie là alors et je vais prendre maintenant nu une proba sur x qui est stationnaire mu stationnaire et ergodique c'est-à-dire que c'est un point extrémal dans le convexe des probabilités stationnaires alors, maintenant, mon but, hein, sous ces hypothèses, c'est <coughs> euh, le théorème principal que j'ai démontré lors de la première séance. Mon but, c'est de montrer qu'elle est homogène. Hein donc, ça, va, je, je, je vais terminer cette démonstration modulo un résultat. Donc, les résultat que j'ai, non, c'est un résultat intermédiaire. Dans cette démonstration qu'en fait nu est homogène, on va donner une façon de créer un petit peu euh, d'homogénéité. De, de, créer, donc, créer de l'homogénéité, c'est créer de l'invariance par des petits sous-groupes de G. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Alors, pour lancer cette technique, si il faut supposer, par exemple, il y a le, il y a des, on va faire par récurrence. Donc, euh, le premier cas, par exemple, serait le cas où NU est atomique. Si NU est atomique, on fera un LEM aujourd'hui qui nous dit bon, ben, qu'est-ce qui se passe quand on a une mesure stationnaire ou moni, euh, atomique En fait, elle est invariante et portée par une orbite. C'est un phénomène très général. Donc, pour pouvoir créer euh, des éléments qui sont nouveaux et qui préservent la mesure, il faut supposer, par exemple, qu'elle n'est pas atomique. Alors, l'hypothèse naturelle, en fait, j'espère que je vous en ai un peu convaincu la dernière fois, c'est que pour créer des, des éléments qui ne préfèrent pas la mesure, il ne faut pas qu'elle charge d'orbite du centralisateur. Alors, je suppose que si la mesure de l'orbite d'un élément par le centralisateur est nulle pour tout x dans g sur lambda, hein, alors, donc si je peux, alors, alors on peut penser, hein, quand le centralisateur est trivial, je suis juste en train de demander que la mesure n'est pas orbitale. Et une fois qu'elle n'est pas orbitale, je vais pouvoir lui faire quelque chose qui va lui créer un petit peu d'invariance. Alors, ce n'est pas de l'invariance sur nu hein, ça va être de l'invariance sur les nu b. Je vous rappelle que quand j'ai une mesure stationnaire, hein, quand j'ai noté toujours dans cet exposé l'ensemble des suites à coefficient dans g, j'ai noté b je l'ai muni de la mesure bêta, qui est la mesure produit euh, de, la mesure, euh, de la loi de probabilité qu'on a choisie sur g. Hein, et j'ai noté l'application de décalage de B dans B, euh, c'est le, le décalage, j'ai noté T, c'est l'application de décalage. Hein, c'est un langage général. Quand j'ai une mesure de probabilité sur un groupe, j'ai toujours ces notations-là. Et ce que j'ai dit depuis le début, hein, j'ai utilisé les deux points de vue du haut sur les mesures stationnaires, soit une mesure stationnaire, c'est une mesure qui vérifie une équation de convolution qui est écrite ici, soit c'est un champ de mesure équivariant au-dessus de l'application de décalage. Hein, C'est-à-dire, quand je prends... Quand nu est, mu est nu stationnaire, si je la pousse par une suite d'éléments de B, eh bien, ça va converger vers une certaine mesure nu B. Hein, nu de TB, c'est ça que j'appelle la propriété d'équivariance. On va voir, elle va jouer un énorme rôle aujourd'hui. On va l'utiliser en permanence. Nu de TB, c'est B1 puissance moins 1 nu B. Et nu... C'est rien d'autre que l'intégrale sur B des nu B des bêta B. Voilà. Et donc, hein, je vous avais fait un. <coughs> J'ai fait toute une, toute une heure dans la, la, de, le deuxième cours sur le lien entre les, les deux façons de voir hein, sa transformation de poisson. Quand on a des fonctions, des, des fonctions harmoniques sous une marche aléatoire sur un groupe, on peut aussi les voir comme des fonctions invariantes au-dessus d'un certain système dynamique. Voilà. Et euh, l'analogue de ça pour les mesures stationnaires, c'est ce point de vue dual. Entre d'une part des champs de mesure qui vérifient une application équivariante et d'autre part des mesures qui vérifient, qui sont points fixes d'un opérateur de convolution. Donc quand on cherche à construire des mesures stationnaires, ce point de vue est très utile parce qu'on les construit par des arguments de points fixes, hein, comme points fixes d'un opérateur. Par contre, quand on veut les étudier, euh, et montrer des choses dessus très souvent c'est le point c'est le point de vue champ de mesure équivariant enfin, en tout cas dans ce travail c'est vraiment le point de vue de champ de mesure équivariant qui nous importe c'est sur les mesures nubées qu'on travaille alors donc ce que j'ai expliqué en détail euh, lors de la dernière séance c'est que cette hypothèse dans ce, sous ces hypothèses sous les sous, dans cette situation espace homogène si nu de lx égale 0, alors en fait cette hypothèse se transmet au nubé et ça, c'est vraiment quelque chose de différent de ce qui se passe dans les espaces projectifs, les choses comme ça. à partir de cette hypothèse sur nu, en fait, j'ai un, un résultat qui me dit que, que nu B le, ne charge pas les L orbites. Et euh, je vais en déduire. Donc, ça, c'était la première étape. Je veux montrer que nu est homogène. Alors, si nu l ne charge pas les L orbites, nu B ne charge pas les L orbites. C'était l'étape qu'on a accomplie la dernière fois. Et aujourd'hui, on va dire un peu plus. Ce qu'on va dire, c'est que non seulement elle ne cherche pas à aller à l'orbite, mais elle a elle-même un petit peu d'invariance. Alors je vous rappelle que en utilisant la théorie des produits de matrice aléatoire, hein, la théorie qui, est due, donc, qui a été construite par Furstenberg et puis Raffinée, mais euh, par euh, essentiellement bon, Gugivard, c'est beaucoup de co-auteurs, Margulis, euh, au cours des années 80-90, mais essentiellement en utilisant les résultats de Furstenberg, euh, dans la situation qui qui est pré présenté ici, je dispose d'une application B donne VB hein, qui va euh, euh, de B dans les sous-algèbres de l'I, nilpotentes potente de l'algèbre de l'IG. G, c'est l'algèbre de l'I de G. Hein. J'ai construit cette application lors de la dernière séance. Donc, quel est, euh, comment ça fonctionne hein, C'est je, je prends VB, euh, quel que soit si euh, W est un sous-module, hein, comment je vais donner la définition, je redonne la définition de VB, est un sous-module irréductible, non trivial. Pour l'action adjointe de gamma mu, hein, j'ai l'action adjointe de gamma mu, ça agit à travers un groupe semi-simple d'automorphisme de cet espace vectoriel. Maintenant, j'oublie la structure d'algèbre de Lie, et je regarde un sous-espace vectoriel irréductible. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vois dans ce sous-espace vectoriel irréductible je vois, un, euh, euh, je, je vois un groupe de matrices qui agit fortement irréductiblement. Hein, et donc, je peux appliquer la théorie des produits de matrice aléatoire que j'ai développé au cours euh, euh, de la deuxième et de la troisième séance. Et qu'est-ce que c'est sur, sur laquelle je suis un petit peu revenu la dernière fois. Et qu'est-ce que je sais Eh bien, je sais que euh, W inter VB, c'est euh, l'image de toute valeur d'adhérence. Zut, alors j'ai mis un petit V parce que je peux veux que ce soit une la GEP de lit. Hein. C'est l'image de toute valeur d'adhérence dans les endomorphismes de W de la suite des produits hein, B1, Bn qui apparaissent dans la décomposition, définition des nubés, mais que je renormalise. Hein. Et j'ai introduit. Cette famille d'espaces, et maintenant je prends la somme de tous ces bonhommes-là sur toutes les représentations irréductibles non triviales. Et VB, voilà, euh, voilà. donc ça c'est ce que j'ai appelé VB, et il vérifie, hein, essentiellement il est construit comme les nuB, donc il vérifie la même relation d'équivalence. C'est que V de TB, c'est l'action adjointe de B1 puissance moins 1 appliquée à VB. Voilà. Alors, donc, je reviens ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai maintenant J'ai une mesure B et j'ai une sous-algèbre de l'île nilpotente. Avec cette sous-algèbre de l'île nilpotente bon. vient un sous-groupe. Une sous-algèbre de l'île, j'ai même dit, nia nia nia, sous-algèbre de l'île ad nilpotente. Hein. C'est-à-dire qu'elle est nilpotente, comme c'est une algèbre d'endomorphisme qui sont tous nilpotents. Comme quand je la regarde à travers l'action adjointe. Donc, VB, c'est un sous-groupe ad unipotent c'est exactement l'objet qui intervient dans la théorie de Ratner. Hein et l'idéal, ce serait que nu B soit VB invariante. Voilà. Nu B, elle bouge de façon équivariante au-dessus de B. VB, il bouge de la même façon. Si nu B et VB équivariant... Ça, ça paraît... Ça sent, c est, c est, soit nu B est presque jamais VB invariante, soit nu B est presque toujours, par ergodicité du shift. Hein et donc, j'aimerais bien que nu B soit VB invariante. Alors, si... Euh, VB est dimension 1, c'est ce qui va se passer. Je vais, vous donner, on va, je vais vous faire un exemple dans une minute, où carrément, NuB sera VB invariante. Quand VB est de dimension plus grande, ben, euh, si la mesure, la mesure elle est homogène, mais homogène sous un sous-groupe de G, ben, je ne vais pas récupérer tout VB. Je vais récupérer l'intersection de VB avec l'algèbre de Lit de ce sous-groupe. Okay Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'elle soit VB invariante quand la mesure, c'est pas... Euh, homogène sous tout G. Donc c est, c est, ces cas-là apparaissent, hein, et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va être obligé, pour l'instant, on va couper en morceau VB, et on sait qu'il y a une droite dans VB qui laisse invariant un, un petit bout de la mesure nu B. C'est ça qu'on a, c'est un résultat de ce type. C'est-à-dire qu'on peut couper la mesure en morceaux, hein, et euh, il, il, le, 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 chaque petit morceau est invariant un par une droite, mais qui dépend du morceau dans VB. Par un groupe à apparaître un unipotent. À la fin de la séance, il ne dépendra plus du morceau. Voilà. Mais au début de la séance, ce qu'on va vraiment récupérer formellement avec l'argument déri, c'est quelque chose qui bouge un peu, non seulement suivant B, mais suivant X. Hein, le morceau, il va vers un morceau, et c'est le morceau qui contient X. Donc, il existe une décomposition de nu B. Hein, Elle-même, on la décompose comme une moyenne. Donc, nu B s'écrira euh, comme l'intégrale des nu BX hein, des euh, nu B de X. C'est-à-dire que hein, j'ai partitionné, par exemple, il y aurait un cas qui pourrait arriver, ce serait où j'ai, ça c'est l'espace X, et j'ai coupé en deux, en deux moitiés, hein, et nu BX, c'est la, la restriction de la mesure à l'endroit où je me trouve, que j'ai normalisé pour en faire une mesure de probabilité. Et ce qui est important, important c'est que. Euh, Nu, c'est nu bx, maintenant où il y a un nouveau paramètre qui est l'endroit où je me trouve dans celui de mes deux morceaux, ben, il vérifie la même propriété d'équivalence. Mais alors, là, dans la propriété d'équivalence, quand je shift par b, hein, ce qui est important, c'est de, de faire appliquer b1-1. Quand je shift par b, ben, la, la variable x, elle n'est plus distribuée suivant nu b, mais suivant nu tb, donc ça veut dire qu'on lui a appliqué b1-1. Donc ce nu tb, b1-1x, c'est b1-1. Hein, Appliquée à nu bx. D'accord C'est-à-dire c'est la relation d'équivalence naturelle. Hein no, naturelle. Et maintenant, la relation d'équivariance, pardon, d'équivalence naturelle. Et donc en particulier, on peut penser si nu bx dépend pas de x, c'est la bonne relation d'équivalence. Mais maintenant, des fois, on va être obligé, hein, pour l'instant, c'est ce qui donne la dérive, on est obligé de rajouter une dépendance en x. Voilà, donc on a une décomposition de cette forme et on a une application. Hein, bx... Et une application. Donc maintenant, au lieu d'avoir un VB, j'ai un VBX. Il dépend de b et de x. VBX qui est inclus dans VB. D'accord. Donc il va de b dans le même espace. Les sous algèbres euh, ad-nilpotentes. Donc, peut-être j'ai dû couper ma mesure en morceaux. Hein, et peut-être, du coup, sur chaque morceau, hein, j'ai dû, euh, <coughs> euh, euh, dû définir. Donc, j'ai dû définir une application. J'ai dû changer hein, le, 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 la droite que je choisis, la sous-algèbre nilpotente que je choisis dans VB. D'accord Donc, ici, hein, ces relations, elles sont vraies presque partout. C'est-à-dire, ça, c'est vrai. Euh, bêta presque pour tout B, cette relation d'équivalence, nu B presque pour tout X. Voilà. Et ici, VBX, bah, il vérifie aussi la même relation d'équivalence. Hein. Tout bouge de façon équivariante, de, de manière naturelle. Hein. Il, y a des, il, y a des, il y a des paramètres, mais quand on shift les paramètres, tout bouge de manière naturelle au-dessus de ces paramètres. Hein. Donc ça vérifie la même relation d'équivalence. Et maintenant, on a gagné. C'est-à-dire que Manque de bol en général, il n'y a pas de raison que nub soit vb invariante, parce qu'il faudrait tenir compte des mesures portées par des sous-espaces homogènes de g, qui créeraient des sous-algèbres dans vb. Mais ce qui est vrai, c'est qu'une fois qu'on a coupé en verseau, c'est bon. C'est-à-dire que nu, bêta presque pour tout b. Ah oui, alors je devrais dire quand même que cette sous-algèbre est différente de zéro, sinon on n'a rien gagné. Hein voilà et euh, bêta presque pour tout b nu b presque pour tout x eh bien nu bx est invariante par l'exponentielle de vbx. que je vais appeler ça le grand vbx, x invariante hein, voilà donc encore une fois hein, si vb est de dimension euh, si vb et de dimension euh, 1, il n'y a pas à s'embêter. VBX, c'est VB, hein, parce que c'est une sous-algèbre non nulle, donc euh, c'est VB. Voilà. Donc c'est ça la situation. Manque de bol, des fois on est obligé de couper en morceaux. Voilà. Euh, alors je reviens une minute là sur ces questions d'équivariance. Il y a une propriété euh, que j'ai utilisée euh, très rapidement, et Emmanuel me l'a fait remarquer la dernière fois, hein, je, euh, je vais juste bien détailler parce qu'on va beaucoup l'utiliser aujourd'hui. L'application de Shift. Qui va de B dans B. Euh, elle préserve hein, la mesure bêta. Et par rapport à cette mesure, elle est ergodique. Hein, C'est toujours vrai. On a un espace produit, comme ça, dénombrable. On, on préserve la mesure produit. Le décalage préserve la mesure produit. On a une mesure produit. Le décalage préserve la mesure produit. Et il est toujours ergodique dans cette situation, par rapport à la mesure produit. Donc en particulier à chaque fois que je regarde une propriété des nu -b qui est invariante par la relation d'équivalence, soit elle est vraie presque partout, soit elle est vraie nulle part. Hein? Soit elle est vraie sur l'ensemble de mesure 1, soit elle est vraie sur l'ensemble 0. Donc j'ai utilisé ça la dernière fois, j'ai été très très vite pour le dire. Parce que quand j'ai dit, hein, la dernière fois, j'ai étudié le cas où euh, nu B était une masse de Dirac. Voilà. Eh bien, comme nu Tb, c'est B1-1... De nu B, l'ensemble des B et que l'application B donne nu B est mesurable. L'ensemble des B, tel que nu B est une masse de Dirac, il est invariant par le shift. D'accord Donc du coup, soit c'est vrai presque partout, soit c'est presque nulle part. Donc quand j'ai dit les nu B sont des Dirac, hein, je voulais dire sur un ensemble de mesure 1. Et si ce n'est pas sur un ensemble de mesure 1, c'est sur un ensemble de mesure 0. Et donc on va, hein, par exemple, ici, automatiquement, ce type de propriété vous dit que l'ensemble des B. X tel que VbX, la dimension de VbX, c'est un invariant. Alors et là, je triche un petit peu parce que VbX, il est paramétré par deux espaces. Il y a b et il y a x. Ok C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle dynamique qui apparaît et qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est une dynamique sur b croix x. Donc sur b croix x, c'est une dynamique. C'est hein, une nouvelle composante. Donc on a une autre dynamique qui consiste, c'est général, hein, dès qu'on a une mesure nu qui est mu stationnaire, bien les nu B, on peut construire une nouvelle dynamique qui consiste à shifter la suite B et à lui appliquer l'inverse de B1. Alors, cette dynamique ne préserve pas de mesure produit, hein, c'est-à-dire dans le premier cours, dans le deuxième cours, quand j'ai parlé de mesure stationnaire, j'ai introduit une dynamique de ce type, mais je n'avais pas mis d'inverse. Et là, j'avais mis la mesure produit, quand j'avais pas mis l'inverse, j'avais dit qu'elle préservait la mesure produit de la mesure de Bernoulli ici avec la mesure stationnaire. Ici, j'ai mis un inverse, donc c'est très très différent ce qui se passe là. La mesure que j'ai envie de mettre là-dessus, ben, j'ai envie de dire que B, il est distribué suivant la mesure de Bernoulli, mais que X est distribué suivant UB. C'est ça que j'arrête pas d'utiliser là, hein, quand j'écris ça. Donc je vais mettre là, ça veut dire quoi Ça veut dire que je mets la mesure BX que je vais écrire formellement, et je vais faire un dessin dans une minute, comme l'intégrale, hein, c'est une mesure sur b croix x. Donc qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que j'ai une base, qui est b, et qu'au-dessus de chaque point dans la base, quand j'ai un petit b, j'ai une copie de x. Et ce que je suis en train de dire, c'est que j'écris là formellement, sur chaque copie de x, j'ai la mesure nu b. Et je mets la mesure fibrée. Où la pro, dont la projection sur B, c'est la mesure de Bernoulli, mais pour laquelle la valeur de la mesure dans la fibre, c'est la mesure de nu B. Et la, la relation d'équivariance, cette relation d'équivalence, hein, celle-là, elle implique que quand je prends, si j'appelle cette dynamique Tx, quand je prends Tx, <coughs> De la mesure bêta x, c'est x hein La relation d'équivalence, elle implique que quand on bouge, comme quand on bouge suivant B, ben, on pousse la mesure par le B1. D'accord Cette relation, elle implique que cette mesure un peu bizarre, cette mesure fibrée, elle est invariante. ok Et le, cette dynamique, eh bien, dire que Tx est ergodique par rapport à cette mesure, c'est un exercice de théorie de la mesure. C'est équivalent à dire que nu et mu ergodique. C'est-à-dire, et donc aujourd'hui je vais beaucoup utiliser ce fait. C'est-à-dire, je, je vous ai dit, les mesures stationnaires, soit on les étudie comme point fixe d'un opérateur, soit on les étudie comme champ équivariant de mesure. Hein. Et avec ce changement de point de vue, vient l'introduction d'un nouveau système dynamique. C'est un système dynamique et on va voir donc dans la séance prochaine on va voir pourquoi c'est celui-là que j'étudie. Hein a priori il y a l'autre, celui dont j'ai parlé au début, qui est plus évident et qui correspond plus au point de vue ici. Mais avec le point de vue famille de mesures vient un autre système dynamique dont l'ergodicité est équivalente à l'ergodicité de la mesure nue hein et euh, c'est celui qui est relié. vous Voyez toutes mes relations d'équivalence naturelles. Qui arrive quand j'étudie les, les probabilités de -b, les algèbres de l'IVB, et puis au moment où je rajoute un X, ben les relations d'équivariance naturelles sont des relations d'équivalence le long de cette dynamique-là. Hein et, et, et donc, elle est ergodique. Alors là, je vais exploiter ça, vous allez voir, on ne va pas arrêter aujourd'hui. Voilà. Donc, je reviens une minute, voilà, je, euh, je reviens une minute là-dessus. Euh, pardon, je reviens définitivement. Voilà, donc j'ai montré, hein, donc ça c'est vraiment l'argument de dérive, c'est-à-dire dans l'argument de dérive, on va, on va partir du fait que nu Lx égale 0, on va appliquer ce qu'on a fait sur les fonctions u, la récurrence en dehors de la diagonale, etc., pour en déduire que nu B de Lx est différent de 0, euh, nu B de Lx égale 0, et on va faire quelque chose qui va créer cette petite invariance de la mesure, de nu, alors pas de nu B, mais de nu Bx. Et aujourd'hui, donc, ça va être un peu le petit Margoulis illustré, c'est-à-dire que euh, ce qu'on va faire, ça va être des raisonnements vraiment standards dans ce domaine de système dynamique dans l'espace homogène, dont je pense que la plupart, voilà, c'est vraiment euh, Margulis, Furstenberg, des gens comme ça qui les ont introduits, et on va euh, euh, montrer que, en appliquant le théorème de Ratner, maintenant, à nubx, X, eh bien, on va en déduire que, en fait, la probabilité est homogène. Et ça, c'est pas, euh, voilà, c'est pour les gens du, du, ce que je vais faire, pour les gens du domaine, c'est vraiment que des arguments classiques. Hein, c'est un voilà, c'est des basics de systèmes dynamiques dans les espaces homogènes aujourd'hui. Voilà. Alors, pour, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer dans un premier cas hein, où euh, VB ne dépend pas de X. Hein, voilà, je vais vous montrer ce qui se passe dans un premier cas. Hein. Exemple. Avant de faire le cas général. Donc, l'exemple, c'est le cas où G, c'est un exemple dont j'ai déjà parlé, c'est le cas de l'action par automorphisme sur des tors. Donc, c'est G, c'est le produit semi-direct. De SL de Z par le tore T2. Euh... <coughs> donc lambda, c'est Sl de Z. Hein. Donc ce qui veut dire, en d'autres termes, ce que je suis en train de regarder, c'est que X, c'est donc simplement le tore T2. Hein. Et moi, je ne vais pas m'intéresser à des parties de translation. Hein. Ça, c'est les, automo les automorphismes affines du tort Et je vais juste regarder euh, l'action par la partie linéaire. Donc je vais prendre euh, gamma mu, qui sera donc un sous-groupe de SL2Z, qui va donc agir sur ce tort T2. Hein, ce langage compliqué, c'est dur de dire que dans ma description des espaces du système dynamique dans les espaces homogènes, j'inclus les actions de sous-groupe de SL2Z par automorphisme sur T2. Et je regarde ce sous-groupe, j'ai supposé qu'il était dense Dans euh, donc j'ai mu, mu c'est une probabilité à support fini, hein, puisque je suis sur un sous-groupe discret, donc un support compact, ça veut dire un support fini, j'ai supposé que ce groupe était à dense dans SL2R, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle non-élémentaire, aussi en géométrie hyperbolique, et, euh, et quoi Et je veux montrer que si nu est d'une probabilité sur le torte T2, qui est euh, mu stationnaire ergodique, ça implique que soit nu est atomique ou nu est la probabilité de Lebesgue. Hein, c'est ça le théorème dans ce cas-là. Et ça, au demeurant, peut-être que je ne l'ai pas dit la première fois que je parlais de ça, ça c'est un résultat qui est légèrement antérieur à notre travail, qui était en fait la motivation originale de notre travail avec Yves, de Bourguin, Furman, Lindenstrauss... Et Moses. Et donc, euh, ils ont des méthodes complètement différentes pour aborder ça. Et euh, euh, qui repose euh, comme il y, y a Bourguin dans le, nom, dans le titre, ça veut dire que ça repose sur de l'analyse de Fourier. Euh, donc, qu'est-ce que. Euh, Bourguin, c'est un, une formule magique qui transporte n'importe quel problème en problème d'analyse harmonique. C'est un peu comme ça que ça marche, la vie. Voilà. Et donc, nous, de, donc, je vais simplement montrer ce théorème à partir de la proposition de dérive. Alors, qu'est-ce qui se passe hein Démonstration. Eh bien, j'applique la proposition de dérive. Donc, si nu est non atomique, moi, je vais montrer que si nu est non atomique, c'est la mesure de 2 Alors, ici, le centralisateur L, il est trivial. Hein Là, il n'y a pas de, de sous-groupe de R2. Enfin, il est discret, en tout cas, il est fini. Il peut y avoir le centre de SL2Z. Voilà, le centralisateur, il est, il est discret. Donc, l'hypothèse nu LX égale 0, c'est juste l'hypothèse du non atomique. C'est la même hypothèse. D'accord Et maintenant, euh, bah, qu'est-ce que me produit le théorème Eh bien, ici, les VB, on en, de l'I, c'est l'algèbre de l'I de R2, elle est dimension 2. D'accord Donc, les VB, la dimension de VB, c'est 1. C'est juste euh, la droite, hein, c'est toujours... On a, ici, on a un produit de matrice aléatoire euh, fortement irréductible proximale. Le VB, c'est juste sa droite, la droite que j'ai construite, là, dans la théorie de Furstenberg. Donc, j'ai ce VB qui est de dimension 1. Donc, VBx... C'est égal à VB et euh, NuB et VB invariante. Alors maintenant, que... quelle est la situation Là, on ne va pas utiliser la théorie de Ratner, parce qu'on est dans un cadre facile. L'espace A c'est l'espace X. Et puis je suis en train de donner sur l'espace X, il y a cette droite, VB. Il hein, y a une droite VB qui agit par translation, et je sais que NuB, c'est une mesure invariante par translation suivant cette droite. Donc il y a deux solutions. Soit la droite VB, elle est rationnelle, soit la mesure NuB, c'est la mesure de Lebeg. OK. Donc moi, ce que je prétends, c'est que euh, je prétends, hein, fait, si ρ est la mesure de probabilité, Mu stationnaire, sur la droite projective, hein, la fameuse unique qui apparaît dans la mesure de la théorie de Furstenberg, eh bien, Rho n'est pas concentré. Rho ne charge pas les points rationnels. On va le faire dans une minute. Hein. Donc, autrement dit, par construction, bêta presque sûrement. Eh bien, euh, la droite VB, elle n'appartient pas à P1Q. Hein, C'est-à-dire dire que je charge pas une mesure stationnaire, c'est dire que cette mesure c'est exactement la moyenne de tous les VB. C'est la loi de la, VB, c'est une droite aléatoire, et la mesure c'est la loi de cette droite aléatoire. Donc, elle, elle, puisque cette mesure ne charge pas les points rationnels, cette droite VB n'est pas une droite rationnelle. D'accord Donc maintenant, puisque la mesure NuB elle est VB invariante, ça veut dire que nub est égal à la mesure de le bec. Et puisque nu c'est la moyenne des nubés, nu c'est le bec. Hein Donc c alors il faut que je, je vous expliquer pour ça, 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 ça va, je vais faire un petit raisonnement, et on, va l utiliser, on va aussi l'utiliser dans, dans le cas général, de hein, c'est parce que essentiellement tous les ingrédients sont là, il va falloir développer tous ces ingrédients, mais c'est ça l'idée. Hein L'application de Ratner, je vous dis on va faire une application de Ratner, c'est là. Hein, le fait que les droites irrationnelles du tort agissent de façon uniquement ergodique sur le torque, elles préservent une unique mesure de probabilité, c'est un cadre Voilà. Alors, ce n'est pas le cas le plus difficile. Alors pourquoi hein, Je vais montrer rho de P1Q. Hein, pourquoi c'est vrai ben c'est vrai parce que P1Q, là, dans cette situation, c'est très facile. C'est parce que j'agis par automorphie sur un groupe dénombrable. Donc c'est dû à un lemme qui dit la chose suivante. Si x est un ensemble dénombrable, si g est un groupe qui agit sur x et que j'ai mu une mesure de probabilité sur g, euh, nu une mesure de probabilité sur x, mais donc c'est une probabilité... Discrète là, hein, ça a une, un poids en chaque point. Si jamais ρ, hein, P1Q, c'est toujours un raisonnement d'ergodicité. P1Q, c'est un ensemble qui est invariant par le groupe, puisque j'agis par élément de SL2Z. Donc, soit une mesure 1, soit une mesure 0, par ergodicité. D'accord Donc, si j'ai nu, une probabilité sur X, qui est stationnaire, alors nu est invariante. Voilà. Et ici, c'est pas possible, hein, parce que ce oh, serait même euh, <coughs> une probabilité invariante pour une action d'un groupe euh, sur un espace euh, dénombrable, c'est une probabilité à support fini. Ce hein. une probabilité... Enfin, ça n'est pas drôle. C'est l'air c'est une probabilité à support fini. Ici, par unicité, c'est une probabilité à support fini. Et donc, il y aurait une union finie de sous-espaces vectoriels qui serait invariant. Et ça, ce n'est pas possible. C'est la qui densité. D'accord Et alors, pourquoi c'est vrai Eh bien, c'est à cause du principe du maximum... On va refaire ce raisonnement dans, dans 10 minutes, peut-être d'aller 20, on va refaire ce raisonnement hein, dans le cas général. C'est le principe du maximum. Je pose phi de x égale la masse de x pour la mesure nulle, mais je préfère le voir comme une fonction maintenant. Hein. Sur les espaces dénombrables, les mesures, c'est les fonctions. Eh bien, la relation stationnarité, elle dit exactement que phi de x, c'est égal à la somme, hein, ici c'est une action discrète, pour g dans g, du poids de g fois phi de g moins 1x. Voilà, j'ai une fonction harmonique pour une certaine, un certain opérateur, et donc bah, c'est sur un espace dénombrable, et c'est une fonction qui est sommable. Et la somme pour x dans x des phi de x, eh bien, euh, elle est égale à 1. D'accord Donc j'ai une fonction qui est sommable et qui est harmonique, bah, elle est constante sur les orbites. Hein phi de. C'est principe du maximum, principe du maximum. Est constante sur les orbites. Je prends un point où phi est maximale et je regarde ce qui se passe. Ben, nécessairement à cause de ça, en toutes, toutes ces images, phi est maximale. Voilà. Et il y a des points où phi est maximal parce qu'elle est sommable. Voilà. Voilà, donc ça c'est juste ça. Donc ici, conclusion, ben, Rho, comme elle est ergodique, elle est portée par une orbite finie. Hein parce que là les orbites comme la... Comme la fonction φ est constante sur les orbites, bah les orbites en particulier, les orbites qui voient du φ, elles sont finies. Donc là, ici, cette mesure par unicité elle est portée par une orbite finie. Et cette orbite finie, ça fait une réunion de droite qui est invariante par mon sous-groupe Zarasquidance de SL2Z, ça n'existe pas, c'est la fortiréductibilité. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on a conclu. Alors maintenant, on va passer au cas général. Hein Donc euh, euh, pourquoi Cette proposition, donc la dérive ici, je vais la garder, je ne vais pas l'effacer, hein, je vais travailler sur les côtés. Pourquoi cette proposition implique que euh, sous, sous les mêmes hypothèses, eh bien en fait, les mesures sont, mu, euh, 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 sont, sont, sont des mesures homogènes. Alors il y a un premier cas à traiter, c'est le cas qui apparaît pas dans la proposition, c'est celui-là. C'est quand nu de l'x est différent de zéro. Hein et ensuite, ce que je vais faire, essentiellement, ça va être un raisonnement par récurrence sur la dimension et l'arrivée la, de cette nouvelle invariance va me permettre de faire un quotient à un moment et de baisser la dimension. Mais le, donc en fait, il y a une récurrence là, qui est cachée. Ça, est le, 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 la création d'éléments qui préservent la mesure permet d'incrémenter, de, de baisser d'un cran dans la dimension, parce qu'on va faire un quotient à un moment. Par un, à partir de cette situation, on va fabriquer un groupe qui préserve la mesure, mais qui préserve nu, qui préserve pas les nubés. Et ensuite, on va baisser la dimension et on va raisonner par récurrence. Simplement. Donc, il faut traiter le cas de début de la récurrence, qui est le cas où nu de l'X n'est pas nul. Hein, Je n'en ai jamais parlé. J'ai commencé. Alors, dans le cas des tors, hein, c'était trivial. C'était le cas où la mesure était atomique. Donc, par le lemme, par exactement, hein, ce lemme-là, il me dit ce qui se passe dans les torts. Si la mesure est atomique, eh bien, en fait, c'est une combinaison d'orbites finies. D'accord Parce que les atomes, il ben, y en a qu'un nombre dénombrable. C'est des points. Hein, les seuls atomes possibles, c'est des points de euh, du, du, des points rationnels du tort. Voilà. Donc, de enfin, toute façon, pardon, j'ai mal raisonné. Si la mesure est atomique, bah, elle vit sur un ensemble dénombrable qui est gamma invariant, et je peux appliquer ce lemme. Donc, en fait, elle est invariante. Hein Donc, y a, y a... ce lemme, il traite aussi, dans le cas des tors, le début de la récurrence. Mais il n'y a que deux crans de la récurrence. Soit elle, est... soit elle est atomique, soit elle est Lebesgue. Voilà. Donc, en général, il faut traiter quand même le premier cas, quel cas où nu de Lx est non nul. Okay Alors, ça, c'est très général. Je ne veux pas dire aucune hypothèse. Vous allez voir, c'est complètement formel. Pas eu ce truc énorme la fois d'avant C'est bien ça Alors, je vous dis, c'est complètement général. Donc, ça, c'est une proposition. Hein. Donc, ça, je suis en train de traiter. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand U de Lx est différent de 0 hein. Puisque dans le théorème, j'ai pas fait d'hypothèse de ce type-là. Alors, proposition G est un groupe topologique localement compact. Lambda dans G est un sous-groupe discret. Je ne vais rien d utiliser, là c'est vraiment un truc comment formel. C'est comme dans la théorie de Ratner, quand on classifie les mesures invariantes par des groupes ad nilpotents, il ben, y a le premier cas, c'est les mesures invariantes par des groupes centraux. Et pour les groupes centraux, ben, euh, voilà, c'est le cas que j'ai utilisé ici, dans le cas des torts T2, hein, c'est le cas des groupes centraux. Et il n'y a pas du tout besoin de groupe de Lie ou de truc comme ça. C'est un phénomène général de groupe. Une action par un groupe central, eh ben, euh, on sait très bien hein, quelles que, que têtes sont c'est fermées invariant, ces mesures invariantes, etc. Voilà. Donc, G est un groupe topologique localement compact. Lambda est un sous-groupe discret. Donc, je note X égale G sur lambda, comme d'habitude. Mu est une mesure de probabilité sur G. L est le centralisateur. Je noterai comme ça des fois, hein, pour aller vite. Le centralisateur dans G... Euh, du sous-groupe engendré par gamme, par le support de mu et euh, nu est une, est une probabilité mu stationnaire ergodique sur x tel que euh, il existe x dans x avec nu de lx strictement positif. Alors, nu est homogène. Voilà, donc vous voyez là, il n'y a pas de groupe de lits, il n'y a rien. Et la démonstration va être du même acabit que la preuve, c'est-à-dire c'est... Euh, pardon, okay, je, je raconte n'importe quoi. Euh, la démonstration va être assez, euh, pas très, très compliquée. Donc la situation. Alors ça c'est super bien. Entouré des groupes, c'est euh, quand il y a des choses qui sont ergodiques. On a une situation. On a quelque chose qui agit, qui est la probabilité mu. On a quelque chose qui commute à nu, à mu, qui est le groupe L. L'action de mu est ergodique, alors il y a beaucoup de rigidité. Hein, c'est ça que ça dit. Quand on a une action ergodique et quelque chose qui commute à l'action ergodique, il se passe un truc de rigidité. C'est très général, et c'est très général, donc je vais l'énoncer un résultat général qui, euh, qui implique qu'on va utiliser dans la démonstration de ça. c'est la chose suivante. J'ai X qui est un espace localement compact. C'est très général et je vais le, je vais le formaliser sous, la, sous, sous forme de cette proposition. Et j'ai P. Donc ça va de x dans les probabilités de x, c'est ce que j'ai appelé un opérateur de Markov-Feller. Hein. C'est-à-dire une application faiblement continue qui, à chaque point, associe une mesure de probabilité. Et euh, maintenant, ce que je vais rajouter, donc je vais prendre cette situation, hein, où P, c'est l'opérateur de convolution par la mesure mu, l'opérateur associé à la mesure mu, et euh, donc j'ai une probabilité nu, ce sera une probabilité sur x, qui est invariante. Et nu épais et p ergodique. C'est un point extrémal. Et maintenant, je vais me donner le groupe L. Donc je donne un groupe. L, maintenant, ça va être un groupe topologique, localement compact. Et puis, euh, peut-être il faut rajouter... Alors peut-être, tous les espaces sont... Ah, partout, j'ai oublié. Alors évidemment... Euh, euh, ce que les anglais appellent euh, second countable, c'est-à-dire séparable, sigma compact. Hein Même chose ici. Pardon, j'ai cassé le plafond. Avez... Sigma séparable. J'ai voulu faire un énoncé général. Du coup, j'ai. Il faut mettre tout, sigma compact. Et ici, si L est un groupe topologique localement compact, euh, séparable, sigma compact. Voilà. Et alors, je suppose quoi <laughs> Maintenant, je veux que l'action de L commute à l'action de P. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que L commute à P, et je vais écrire formellement ce que ça veut dire idest, quel que soit L dans L. Quel que soit x dans x, quand je regarde P que j'évalue en Lx, donc ça c'est une mesure de probabilité hein, sur euh, l'espace x, et eh bien c'est la même chose que prendre L et pousser par L la mesure de probabilité Px. C'est ça la commutation. Ça c'est la relation de commutation qui est satisfaite par l'opérateur associé à mu et par le groupe L. Et eh bien qu'est-ce qui se passe eh bien Moi je prétends la chose suivante. Il existe un ensemble. Alors hein, donc c'est ça le lemme général hein, qui va impliquer mon phénomène de théorie des groupes. Il existe un ensemble E, inclus dans X, qui est un ensemble borélien, qui est de mesure totale, pour la mesure 1, pour la mesure nu, et tel que, alors je vais noter, hein, L nu, c'est le groupe des éléments de L qui préservent la mesure nu. tel que, quel que soit L appartenant à L nu, et eh bien L, E est égal à E. Hein, les éléments du centralisateur qui préservent la mesure ergodique, et eh bien, ils stabilisent exactement mon borélien. Et maintenant, les éléments du centralisateur, mais qui n'appartiennent pas au, au, au fixateur de la mesure, eh bien, ils envoient le borélien sur un autre borélien, mais qui ne le rencontre pas. C'est-à-dire que ma mesure, hein, ce que je suis en train de dire, c'est que ma mesure, regardez <coughs> ça, ma mesure, d'un point de vue borélien, hein, pas d'un point de vue topologique, mais d'un point de vue borélien, eh bien, je peux la couper en strates, je peux la, la mettre sur un borélien, ici, E, qui va être invariant par le stabilisateur de la mesure, mais dès que je bouge un petit peu par le centralisateur, je vais complètement ailleurs. Hein, je l'envoie sur quelque chose de complètement différent. Hein. Pourquoi c'est vrai, ça C'est vrai parce que quand vous avez une transformation, un opérateur de Markov, et que vous avez une, deux, deux mesures invariantes ergodiques, mais qui sont distinctes, elles sont étrangères l'une à l'autre. Hein. Quand vous avez, en général, si vous prenez, par exemple, sur le décalage là, de Bernoulli, vous prenez deux mesures de Bernoulli distinctes associées à deux paramètres différents, eh bien, ces deux mesures sont étrangères. C'est-à-dire qu'il y a un Borelien qui est une mesure zéro pour une et un pour l'autre. C'est ça que dit ce lemme. Parce que les éléments du centralisateur, ils permutent les mesures ergodiques, puisqu'ils commutent. Donc ils permutent l'ensemble le des mesures ergodiques, pardon, le, les points extrémaux du convexe. Donc quand vous prenez le poussé de nu, ben soit c'est la même mesure, soit c'est une mesure étrangère. Donc puisque quand, quand vous travaillez par rapport à un élément du centralisateur, ben c'est très clair qu'il existe un ensemble borélien puisque la mesure poussée de nu par elle, dès que L ne fixe pas nu, c'est une mesure étrangère à nu. C'est une autre mesure étrangère, c'est une mesure étrangère. Donc, pour elle fixer l'existence d'un tel ensemble borélien est clair. Ce que dit la proposition, c'est qu'on peut aller un tout petit peu plus loin, c'est trouver le même ensemble borélien pour tout le monde. D'accord L'existence le, le, de ce borélien, pour elle fixer, c'est juste le théorème de radon nikodym qui vous dit que quand vous avez deux mesures, si elles sont étrangères l'une à l'autre, bah ça veut dire que... Le, le, le euh, euh, peut trouver un borélien de mesure 0 pour une et 1 pour, pour l'autre. Ça, c'est juste le théorème de radon nicodine Et ça, c'est un théorème de radon nicodine pour tous les éléments du centralisateur à la fois. Et c'est parce que je veux un théorème pour tout le monde à la fois que je fais des hypothèses sur le groupe séparable, sigma compact, etc. C'est pour faire de la théorie de mesure, c'est-à-dire que j'en prends un petit peu pour l'un, j'enlève, je, je fais des bouts, etc. Enfin, en fait, je vais faire, je vais court-circuiter tout ça en faisant, un, je vais faire un argument massu. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, c'est ça, ça l'idée de, ce, de, ce, de ce résultat. Euh, donc, je vais le démontrer. Pour le démontrer, ça va être trois lignes. En fait, j'aurais pu ne pas faire d'hypothèse sur elle. Je suis désolé. Je suis en train de réfléchir. Parce que ce qui se passe, c'est que... En fait, ce théorème, c'est un théorème borélien. Il n'y a pas de structure topologique là-dedans. Donc, d'habitude... Je suis très formel et je l'énonce pour des actions boréliennes sur des espaces boréliens. Et là, j'ai besoin d hypothèse pour arriver à me ramener à des situations plus lisses. Voilà. Mais en fait, là, vu comment je l'ai énoncé, je pas besoin l'hypothèse sur elle. Vous allez voir, dans la preuve, c'est trois lignes. Alors, la démonstration, c'est un super truc. Une fois qu'on l'a vu une fois, on l'oublie jamais. Je vais donner une définition de E. E, c'est l'ensemble des x dans x, tel que pour toute fonction continue à support compact. Donc par contre j'ai fait des hypothèses sur x. Hein pour toute fonction continue à support compact, quand je prends 1 sur n, la somme de k égale 0 à n-1, d'pkφ de x, ça tend l'intégrale de φ dénu. Tac, fin de la démonstration. Pourquoi Alors pour, pourquoi qu'est-ce que c'est que ça Ben, euh, Déjà, j'ai fait des hypothèses sur X, là, séparable, sigma compact, etc., qui me garantissent que euh, cette assertion, il suffit qu'elle soit vraie pour un ensemble dénombrable de fonctions. Donc, comme il suffit de prendre un ensemble dénombrable de fonctions pour que ce soit vrai, cet ensemble, il est mesurable. Il est borélien. OK Et puis, euh, pourquoi il est une mesure 1 Eh bien, ça, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est parce qu'il y a un théorème ergodique pour les opérateurs qui préservent des mesures, ce qu'on appelle le théorème de Chekhov-Einstein. Hein. Donc, E est borélien... Car il suffit de tester un nombre dénombrable de φ. Voilà, c'est une première propriété. Ensuite, la mesure de E est égale à 1 par le théorème ergodique de chekhov Donc, Je vous en ai parlé la dernière fois. Hein, c'est un théorème qui dit, qui étend le, le théorème ergodique de Birkhoff au cas des actions par des opérateurs qui prévèrent des mesures. Et donc, ça dit exactement que pour une mesure ergodique, on a cette propriété, pour une fonction fiche fixée, on a cette propriété presque partout pour la mesure nue. Et donc, de nouveau, ben, je prends une partie dénombrable qui suffit pour tester ça, et je prends un ensemble où c'est vrai pour toutes les fonctions de cette partie dénombrable, c'est encore de mesure 1. Donc, ça veut dire que c'est de mesure 1. Et puis par contre, qu'est-ce qui se passe Donc si j'ai un L qui est dans L nu, L il agit de façon continue. Donc il préfère l'espace des fonctions. Donc si L préserve la mesure, hein, cette dès que j'ai une transformation continue qui commute à l'opérateur et qui préserve la mesure, bah, je préserve cet ensemble. Okay. Mais en revanche, si j'ai L <coughs> qui n'appartient pas, alors je vais l'appeler E nu, cet ensemble. Euh, euh, e nu, voilà. Si elle n'appartient pas à L nu, ben, quand je fais L de E nu, même si elle appartient à L nu, c'est E du poussant en avant de nu, puisque L commute à l'opérateur. Hein Et donc, si nu, comme si jamais L ne préserve pas la mesure, mesure nu, ben, cet ensemble, c'est là où on voit la mesure nu quand on fait le théorème de Chekhan-Einstein. Bah, si on voit une autre mesure, c'est 10 juin, D'accord Et donc, euh, bah, euh, par définition, hein, si nu est différent de nu prime, euh, nu inter nu prime, c'est égal à l'ensemble de vie. Voilà. C'est magnifique cette astuce, non Mais moi, 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 je me suis posé. Ce type de phénomène... Là, dans, dans, dans tous ces problèmes de rigidité de mesure, etc., les cas où ça commute, ils, ils sont souvent présents. Et il y a des tas d'endroits où on voit des gens qui font des raisonnements comme ça, etc. Et je ne sais plus où j'ai trouvé ça un jour dans un papier, ce truc, mais on a souvent envie de faire des décompositions comme ça, radon-nicoding, qui, qui sont uniformes ou des choses comme ça. Et en fait, c'est très facile. Il n'y a, a rien, quoi. Il n'y a pas utilisé de la théorie de la mesure, associationnée, une... c'est juste appliquer le théorème ergodique de Birkhoff ou de Chekhov-Einstein au bon endroit. Moi ça m'a pris des années de comprendre ce truc, je, je, je trouve ça magnifique, mais bon, je, vous avez le droit de ne pas partager mon enthousiasme, ça, chacun sa sensibilité. Alors, euh, qu'est-ce que je veux dire Voilà, alors pourquoi ça permet maintenant, pourquoi ça permet de conclure la proposition hein Alors j'applique, maintenant j'applique la proposition à la situation qui est ici, alors surtout je ne veux pas effacer, voilà, je vais me mettre sur le tableau qui est là. Alors pourquoi ça permet de conclure dans la proposition hein, de théorie des groupes Alors bon, alors démonstration maintenant du cas nu de Lx strictement positif. Où L c'est le centralisateur. Donc on est. Qu'est-ce que je veux dire Déjà, une pre, une première remarque, c'est que euh, <coughs> donc. Je vais encore poser euh, L nu euh, égale le, l'ensemble le, des L dans L qui préserve nu. Eh bien, euh, ce que me dit le résultat, c'est que euh, nu de Lx, nu que nu presque pour tout X, nu de Lx c'est égal à nu de L nu x. Hein, puisque j'ai mon ensemble E, mon X Tel que nu de Lx est strictement positif, ben ça veut dire que le Lx, il va rencontrer l'ensemble E que j'ai construit. D'accord Donc les x, tel que nu de Lx strictement positif, je peux toujours les choisir dans E. Mais puisque je les choisis dans E et que E est une mesure 1, eh bien, euh, en fait, euh, je peux choisir euh, le, la partie de L qui compte, c'est la partie qui préserve la mesure. OK Donc qu'est-ce que je vois maintenant ben Je vois des orbites d'un groupe qui préserve une mesure. Et qui sont de mesure strictement positive. C'est-à-dire que ma mesure sur chacun des L nu X, c'est un bout de mesure de R, hein Parce que les orbites, sont, les orbites du stabilisateur sont de mesure strictement positive. OK? C'est juste ça que je suis en train de dire. Si nu de L nu X, si jamais ça c'est égal à 1, sinon c'est non seulement strictement positif mais égal à 1, bah j'ai une probabilité qui est portée par une L orbite, qui est une L nu orbite et qui est L nu invariante. C'est fini. C'est une mesure homogène. C'est ça que je cherche à construire depuis le début. Hein, c'est des, des mesures qui sont portées par des orbites de leur stabilisateur. Donc il faut juste que je traite le cas où ce n'est pas forcément <coughs> de mesure euh, 1. Si c'est une mesure 1, c'est terminé. Si nu de Lx égale 1, eh c'est une mesure qui est invariante et portée par une orbite de son stabilisateur. Euh, nu est homogène, quasiment par définition. D'accord donc en général, bon bah déjà, si je considère l'ensemble des x tels que nu de l nu x est strictement positif, eh bien euh, j euh, il, est, il est mu invariant. Hein? Par, donc ce que je veux dire c'est que soit c'est vrai partout, soit ça résultat par ergodicité, hein? par ergodicité, par ergodicité. Nu presque. Euh, oui, alors attendez, j'ai déjà dit là, hein, c'est. Euh, non, 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 pardon, j'ai dit nu Lx, et, ça c'est vrai. voilà. Par ergodicité, eh bien, euh, euh, j'ai quel que soit x, hein, j'ai nu presque pour tout x, nul de L nu x est strictement positif. Voilà. Alors maintenant, je vais faire comme dans la démonstration du cas atomique, je vais poser phi de x. Égale nu de L nu x. Okay. Et j'ai encore, je sais encore que la somme sur. Euh, donc il y a un nombre dénombrable, hein, ici cette fonction elle prend un nombre dénombrable de valeurs, et la somme des valeurs de phi, hein, j'ai une somme qui est égale à 1, c'est la, la somme des valeurs de phi sur l'espace le, des L nu orbites. Hein. Je n'écris pas la somme de quoi, c'est horrible. d'accord Donc j'ai une somme qui est égale à 1, et puis j'ai une relation phi de x égale l'intégrale sur g. Des fit, des moins x des mu Ok. Donc par principe du maximum, eh bien cette fonction, elle est invariante. D'accord. Elle est invariante par gamma mu. Alors, je vous avais dit qu'on allait le refaire dans une minute. Donc, je suis juste en train de tra le traiter le cas où on n'est pas une seule orbite du centralisateur. Il peut y avoir un nombre fini d'orbites du centralisateur. Si j'étais dans le torte T2, hein, je suis en train de traiter le cas d'une orbite finie, pas seulement d'une orbite qui est un point fixe. D'accord Donc, euh, nu, phi de x est la somme sur g, voilà, Donc Du coup, bah, phi est gamma mu invariante par principe du maximum. Et donc, bah, puisque la mesure est ergodique, il existe... X1, Xk appartenant à X, tel que euh, nu de L nu de Xi, c'est 1 sur K, hein. et euh, gamma mu préserve, hein, si je suis en train de dire cette fonction, bah, c est, c est une seule, il y a une seule orbite, et puis tous les points ont la même masse, puisque cette fonction est invariante, permute l'ensemble X1, Xk. Voilà. Et nu, qu'est-ce que c'est Nu de l nu x1, union blablabla, bla bla union l nu xk. C'est égal à 1. D'accord Donc là, la mesure est homogène, c'est-à-dire hein que la mesure est nu, et gamma mu l nu, homogène. Voilà. Donc là, c'est juste... Peut-être si vous n'êtes pas familier à ça, vous trouvez ça horrible, mais euh, euh, c'est juste ce que je dis, c'est que le cas où il y a de la mesure sur les orbites du centralisateur, c'est des manipulations formelles, quoi. Je veux dire, on a, à partir du moment où on a quelque chose d'ergodique, et le centralisateur voit euh, euh, le, 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 le comportement du centralisateur sur quelque chose d'ergodique, c'est très facile à décrire. C'est la proposition générale. Donc si jamais il y a des orbites de mesure strictement positive, voilà, c'est essentiellement que ça se comporte comme des points fixes. Quoi. Voilà. Donc là, j'ai commencé ma récurrence. Hein C'est-à-dire que j'ai traité le cas où la mesure chargeait les orbites du centralisateur. Hein Donc maintenant, quand ça ne charge pas les orbites du centralisateur, le, le point clé, vraiment, d'un point de vue théorie ergodique, c'est cette proposition. Hein c je redis, c on a un machin ergodique, on a un groupe qui agit en commutant, alors il se passe quelque chose sur la structure de l'action du groupe sur les mesures invariantes. Hein c'est euh, central, ça, vraiment. Donc maintenant. <coughs> euh, Qu'est-ce que je dis Voilà, donc maintenant, j'ai traité hein, le cas où nu de lx était non nul. Donc je peux supposer nu de lx, hein, je suis toujours dans les hypothèses qui sont ici, je peux attaquer en supposant nu de lx égale 0. J'applique cette proposition. Donc maintenant, je récupère, hein, c'est ce que dit la proposition, donc je vais revenir là, ici. je devrais l'avoir écrit ici, je vais écrire ce que j'ai effacé là, c'est nu Bx et v_bx qui est l'exponentielle de petit v Bx invariante. Donc maintenant, on va exploiter ce renseignement. Alors déjà, <coughs> donc j'ai une mesure qui est invariante par un groupe ad nilpotent. Ça c'est très bien, ad unipotent. Euh, j'ai envie d'appliquer Ratner, Attention, il faut qu'elle soit ergodique. Bon, c'est pas grave, je décompose. Hein je m'en fous parce que la décomposition ergodique, c'est uniquement défini. Donc la relation d'équivalence à laquelle je tiens Mordicus, elle sera préservée. Hein Puisque le B1, il envoie... Euh, y a... Il manque un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça, là, Jean-François Vous pourriez me surveiller, quand même. Hein il voilà. hein y a la relation d'équivalence, il y a un automorphisme à chaque fois. Puisque, alors c'est plutôt celle qui est, je ne sais plus là, ça devient trop dur pour moi. Voilà, elle est là, là celle qui m'intéresse, je travaille avec Nubx. Hein. Puisque on a cette relation d'équivalence sur le groupe KJ, cette relation d'équivalence sur la mesure, ben l'application B1 puissance moins 1, elle envoie les composantes VBX ergodiques de cette mesure sur les composantes VTB, B1-X ergodiques de cette mesure. C'est unique, composante composantes ergodiques. D'accord Donc, il n'y a pas de problème. Je peux toujours supposer, hein, je peux supposer, par unicité de la décomposition ergodique, je peux supposer que la mesure VBX, euh, pardon, la mesure nuBX est VBX ergodique. Donc, j'applique Ratner. Eh bien, euh, nuBX est homogène. Alors, quand une mesure est homogène, euh, ça veut dire qu'elle est portée par une orbite de son stabilisateur. Et puis ici, elle est ergodique. Son stabilisateur, il contient un groupe ergodique qui est connexe. Donc ça veut dire qu'on l'est aussi portée par la composante connexe de cette orbite. Alors, ça, ça va être important. Hein. Je note Sbx, ce sera... Je prends le stabilisateur, hein, quand je note G comme ça, c'est le stabilisateur de Nu BX dans G. Mais je prends sa composante connexe. Je vais préférer, vous allez voir pourquoi ça joue un rôle plus tard. Pourquoi ça joue un rôle Oui, oui, ça va jouer un rôle. Oui, pardon. Ça va jouer un rôle. Parce que le stabilisateur, je vais, je vais le voir comme une algèbre de lit. Hein ça va être pratique. D'ailleurs, petite parenthèse, donc on a démontré une version périodique de ce résultat. Et alors là, on a souffert, parce qu'il n'y euh, a pas de composante connexe dans le cas p-adique. Ça nous a posé des problèmes, on a mis des mois et des mois à s'en sortir. Enfin bon, vous vous en fichez un peu de nos souffrances, vous avez raison. Voilà. Mais toujours est-il que maintenant, hein, comme là, ce n'est pas, pas des, mes situations avec des groupes discrets, c'est Ratner, donc c'est des groupes connexes qui agissent. Donc, puisque la mesure elle est ergodique sous VBX, bah, elle est portée par une GBX. Or, G, elle est portée par une orbite de ce groupe. Mais donc elle est aussi portée par une orbite de sa composante connexe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas plusieurs composantes connexes puisque c'est hein, il y a une orbite connexe, l'orbite, le support de la mesure est connexe. Donc on peut, on peut, on peut se restreindre à la composante connexe. Hein, c'est important ça. Voilà donc il y a juste à comprendre, comprendre le groupe là, ben c'est comprendre une algèbre de Lie sous algèbre de l'I, l'algèbre de Lie de G. Et euh, eh bien euh, bien évidemment, Stb par unicité, euh, c'est rien d'autre que l'action adjointe de B1 puissance moins 1. Euh, alors oui, non, alors là, ce n'est pas de l'action adjointe au niveau des algèbres de Lie. C'est B1 euh, euh, moins 1 SBX B1 hein, par euh, équivariance. Je transmets la relation d'équivariance à ce machin. Bon, alors qu'est-ce que je dis Alors je dis proposition. Hein. Donc on va faire une En fait, on va montrer que S ne dépend pas de la mesure. Il ne dépend pas de B et de x. Et on va montrer même un peu plus. Donc proposition <coughs> euh, il existe euh, S, un sous-groupe de G, connexe, fermé, tel que euh, bêta, presque pour tout b, nu b presque pour tout x. S est égal à S_bx. Voilà. Donc euh, cette fonction en fait qui à chaque point ou associe euh, un sous-groupe, en fait elle est constante. Hein? Et euh, si je note N euh, le normalisateur unimodulaire de S. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête là S. Alors, euh, quand, vous, quand vous êtes dans un groupe, vous pouvez regarder le normalisateur d'un sous-groupe, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui, qui le préservent par conjugaison. Hein? Donc, à cause de cette relation-là, on croit pas mal que le support de la mesure, à partir du moment où ce groupe S dépend plus du point, bah, le gamma mu il va normaliser le groupe, quoi. Hein? Et même, non seulement il va le normaliser, mais il va le normaliser en préservant sa mesure de Haar. Hein, c'est ça que j'appelle le normalisateur unimodulaire de S. C'est-à-dire l'ensemble des gens qui normalisent S et qui préservent sa, sa mesure de barre. En particulier, et ça j'ai utilisé, ça contient S. Parce que ici, S, c'est un groupe qui admet un réseau. Hein, les groupes de Ratner, vous avez, quand vous avez une mesure de Ratner, elle est homogène sur son stabilisateur, et ça veut dire que le stabilisateur il contient un réseau. Le, stabilisateur un, le fixateur d'un point dans le stabilisateur de la mesure. D'accord donc c'est un groupe unimodulaire. Un groupe qui contient un réseau, c'est un groupe unimodulaire. Donc en particulier, S, il est inclus dans son normalisateur unimodulaire. Hein C'est-à-dire, euh, a priori, un groupe est toujours inclus dans son normalisateur, mais quand il n'est pas unimodulaire, il n'est pas inclus dans son normalisateur unimodulaire. Mais ici, il n'y a pas de problème. S est dans son normalisateur unimodulaire. Si N est normalisateur du modèle modulaire de S, eh bien on a gamma mu qui est contenu dans N, et... Il existe un point X dans G sur lambda, tel que la mesure est concentrée sur une orbite de ce stabilisateur de NU module. D'accord Donc, qu'est-ce que j'ai fait hein ben, Si jamais, admettons que N c'est G, que cette orbite c'est tout le monde, ce que j'ai montré c'est que mon sous-groupe S, c'est un sous-groupe normal de G. Et maintenant, comme S, il préserve chacune des nu BX, mais qui ne dépend plus de BX, c'est-à-dire qu'il préserve nu. Okay. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est j'ai trouvé, j'avais mon groupe G, j'ai construit S dedans. Et donc, mon espace G sur lambda, je viens de le fibrer au-dessus de G sur S lambda. Puisque S, il y a un point où S rencontre lambda en un réseau. Donc, comme S est normal, maintenant S rencontre tout, toujours, S, le, 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 pour tout point, la, hein, ça, S c'est un sous-groupe normal, donc S rencontre lambda dans un réseau. D'accord donc, quand on a cette situation, un groupe G, un réseau, un, un groupe Z, un réseau, et un sous-groupe S, tel que S inter lambda est un réseau, eh bien, ça dit tout de suite que S lambda est un, est un, est un réseau dans, dans G. Euh, pardon, que S lambda est un réseau dans G sur S. D'accord Donc, j'ai fibré ma situation. J'ai une base qui est G sur S lambda, et j'ai ici le gros espace qui est G sur lambda, et puis j'ai une fibration dans la fixe, la fibre c'est S sur S lambda. Hein, c'est ça que donne ce, cette proposition. La mesure, elle est invariante sur S, donc en fait, elle est complètement définie par sa projection sur la base. Mais sa projection sur la base, c'est encore une mesure stationnaire. Et comme le groupe S, il est donc trivial, puisque le groupe S, hein, il contient les VBx qui sont des sous-groupes de dimension strictement positive. Ici, j'ai baissé la dimension d'un cran. Donc, j'ai faire une récurrence sur la dimension. Ok je, je reviendrai. Hein, donc, une fois que j'ai, ce que je vous dis, c'est quand j'ai la récurrence sur la... Une fois que j'ai fait la proposition, là, je vais raisonner par récurrence à la dimension, j'ai terminé. OK hein, le, le... Parce que j'ai fibré la mesure autour de quelque chose de plus petit. Donc il faut que j'arrive à construire cette orbite du normalisateur. Hein. C'est le point clé ici, c'est qu'en fait, on arrive à fabriquer une orbite du normalisateur qui est de masse 1. Donc là, il y a un petit travail. Hein, au début, <coughs> je pars d'une situation où j'ai un groupe qui dépend du point. D'accord et euh, y a, y a, il faut que je vois pourquoi ça ne dépend pas du point, pourquoi c'est normalisé, etc. Non, tu as une question Je trouvais mais peut-être que là, tu as remplacé G par N dans ton raisonnement ou quelque chose comme ça. Oui, j'ai dit j'ai remplacé bah, G par N, ouais. J'ai fait une énorme arnaque. Parce qu'il n'y a aucune raison que euh, le stabilisateur de l X dans N soit un réseau de N. Ben ouais, c'est pas vrai. On ne sait pas si c'est vrai, donc il euh, y aura un truc à dire, quoi. Ouais, ouais. J'ai arnaqué, j'ai arnaqué. Hein. Là, je vous ai arnaqué, là. Les gens méfiants m'ont eu. J'ai super arnaqué parce que j'ai remplacé G par N et je ne sais pas du tout, je ne sais même pas si cette orbite est fermée. Je pense qu'elle est fermée, mais on n'a pas réussi à le démontrer, dans le cas général. Puis à un moment, on a trouvé un argument qui court-circuitait ça. Mais il y, 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 y a quelque chose à démontrer, là. Y a des je, je vais revenir là-dessus. Il y a des choses à démontrer, là. Hein. Mais là, la stratégie, c'est celle-là. C'est une fois qu'on a construit ça, on a envie de remplacer G par N, de dire que comme la mesure, elle, elle est variante et que S rencontre lambda dans un réseau, ben, on fibre. Et puis, on n'a plus qu'à travailler dans la base. Et dans la base, bon, on a baissé la dimension d'un cran. Mais euh, j'ai été super vite. Hein voilà, je, euh, voilà. Donc, là, il y a des points techniques. Il y a des trucs à démontrer qui sont euh, un, peu, un peu pénibles, hein, de fait. Je, je, mais je vais expliciter à la fin. Voilà, mais je vais d'abord me concentrer sur la dimension de la proposition. Parce que là la démonstration de la proposition, il y a un argument qui est joli, qui est du pur Margoulis. Voilà. Euh, donc, pourquoi, pourquoi ce groupe, en fait, ne dépend pas du point Alors, on va passer... Eh bien, on va faire ça parce qu'on va me on va, on va montrer une propriété des mesures stationnaires dans les espaces vectoriels. Alors qu'est-ce qu'on va faire donc, je, vais, je vais bien détailler. Hein. Euh, donc D'abord, euh, euh, ce SBX est stabilisateur d'une mesure nubx, qui est une mesure homogène. Alors on sait un truc sur les mesures homogènes. Hein. C'est-à-dire ici, vous voyez, euh, je vous rappelle qu'il y a la relation d'équivalence. Hein. Je vais la ré réécrire là tellement elle est belle. Hein. Égal B1 1. Qui pousse en avant du BX. Alors, ça, ça me dit que dans l'espace des mesures de Ratner, c'est-à-dire les espaces des mesures qui sont homogènes et ergodiques sous l'action des parties nilpotentes, des parties unipotentes de leur stabilisateur, eh bien, la, le groupe G lui-même, il agit, il permute ses mesures. D'accord Et je suis en train de dire que la G-orbite de la mesure, bah, elle ne dépend pas de BX. C'est ça que je suis en train de dire ici en particulier. Mais les g-orbites dans les mesures de Ratner, on, les, on sait combien il y en a il n'y en a qu'un nombre dénombrable. Donc, ça, c'est un lemme qui apparaît dans la théorie de Ratner. Hein. Donc, une mesure de Ratner, je, je, hein, mesure de Ratner, ça veut dire. Hein, je, dis, je dirais qu'une probabilité ρ, probabilité appartenant à x, est, une de, est de Ratner si rho euh, et G et euh, G rho U ergodique, c'est-à-dire où G rho U c'est euh, G c'est le stabilisateur de rho, d'accord, et G rho U c'est le sous-groupe du stabilisateur de rho engendré par le sous-groupe à un paramètre adunipotent. Donc ma, ma probabilité nu Bx par construction c'est une probabilité de Ratner. Donc le théorème de Ratner. Hein, ça dit que les probabilités de Ratner sont des probabilités homogènes. Mais elles sont toujours de Ratner, c'est-à-dire qu'elles ont toujours cette probabilité. Hein donc c'est certaines probabilités homogènes. Toutes les probabilités homogènes ne sont pas de Ratner. Les orbites d'un groupe compact, en général, ce sont pas des orbites de Ratner. Hein le, le, parce que dans le groupe compact, il n'y a pas d'élément unipotent. Et euh, donc, il euh, y a un lemme qui apparaît dans la théorie de Ratner. J'aurais l'appelé proposition, voire théorème. C'est que l'ensemble des G-orbites. Hein, cette notion, j'ai fait attention à donner une notion qui est, qui est invariante par l'action de G. Hein. Quand je pousse par un élément de G une probabilité de Ratner, je récupère une probabilité de Ratner. L'ensemble des G-orbites dans l'espace des probabilités de Ratner est dénombrable. Et ce lème, on l'a quasiment déjà vu, parce que quand j'ai hein, démontré que euh, l'équidistribution, quand à partir de la, de la non-récurrence, de la, de la transcience dans le complémentaire des orbites fermées invariantes et euh, de euh, euh, le, 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 la classification des probas stationnaires, je vous ai expliqué comment montrer l'équidistribution. Sans doute la dernière fois. Hein. Et je vous ai dit qu'il y a un point important, c'est un, un théorème de dénombrabilité sur les, sur les fermés invariants. C'est ça hein c'est-à-dire la même chose, le même phénomène apparaît dans la théorie de Ratner, il faut montrer un théorème de dénombrabilité pour montrer que quand on veut que les flots s'équidistribuent, ben, il n'y a qu'un nombre dénombrable d'obstacles à éviter. Et c'est ben, ce résultat-là. C'est exactement ce résultat-là. Donc euh, là, on ne sort pas, hein, c est, c est le, le goût, c'est exactement le, 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 la même chose, le même type de résultat que celui que j'ai énoncé la dernière fois, enfin c'est plus exactement notre résultat sur la dénombrabilité euh, est un, tout à fait analogue à celui de Ratner, on s'en est inspiré, et euh, la démonstration, c'est c'est le même genre de phénomène. Ça, c'est purement théorie de Lie. Hein. Il n'y a pas de théorie ergodique. En fait, parce que, justement, ce euh, euh, en fait, sont pas des probabilités qu'on étudie. C'est euh, des espaces homogènes dans lesquels ce géro U a une orbite dense. Et une fois qu'on l'a dit comme ça, eh ben, ça devient que des problèmes de théorie de structure des groupes de Lie. Hein. Il n'y a pas du tout de théorie ergodique là-dedans. C'est que de la théorie de structure des groupes de Lie élémentaire. Quoi. Hein. Il n'y a, a rien du tout. Et, hein, la dénombrabilité, le point clé de la dénombrabilité, c'est que, quelque part, eh bien, à chacune de ces orbites, vous allez la ramener, puisque c'est les orbites qui vous intéressent, vous pouvez toujours les faire passer par le point base dans votre G sur lambda. Hein et une fois que vous passez par votre point base, eh bien, cette orbite, ben, y a, elle a un stabilisateur, et dans ce stabilisateur, il y a un réseau. Et ce réseau, c'est un gros sous-groupe de type fini du groupe lambda. Et les sous-groupes de type fini du groupe lambda, il n'y en a qu'un nombre dénombrable. Et grosso modo, le réseau, comme il y a cette hypothèse d'ergodicité, le réseau caractérise le, 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 quasiment, à hein, un nombre dénombrable de choix près, le réseau caractérise le, le stabilisateur. C'est ça, voilà, ça, je vous donne le schéma. La dénombrabilité, le point clé, c'est que dans, ben, en fait, vous, vous devez trouver un sous-groupe sous de votre groupe lambda qui est, euh, qui est un réseau dans un groupe de l'iconex, e et donc il est de type fini. Hein, parce que les réseaux dans les groupes de l'iconex e sont des groupes de type fini, donc vous avez qu'un nombre dénombrable de choix possibles. Voilà. Et c'est là que la dénombrabilité intervient. Voilà. Donc je vous le fais en deux mots. Hein. Bon, c'est un peu plus long quand même à écrire, évidemment. Euh, mais bon, c'est ça la structure. Hein. Il y a, il y a, voilà. Ensuite, c'est euh, casser des groupes de lits en morceaux, sortir le radical, le quotient mystique, des machins. Enfin, c'est vraiment la théorie de lits, un euh, cours de maîtrise de théorie de lits. Ça n'existe plus, maîtrise, c'est ça Ça s'appelle M1. Voilà. Euh... Si tu étais dans une situation d'un groupe pareil des euh, trucs qui proviennent d'une structure sur Q, finalement. Grosso modo, mais il peut y avoir des petites subtilités, même dans des cas arithmétiques. C'est-à-dire, il y a un théorème de chat qui dit que dans le cas arithmétique, le groupe, il est, c'est une extension compacte d'un groupe arithmétique qui apparaît. Donc, peut-être qu'on pourrait se sentir à peu près comme ça, tu vois. Ça peut ne pas être un sous-groupe. Ça peut ne pas être, t'as fait un Q sous-groupe, il n'y a pas des gags, non pas, pas, euh, pas des trucs de Au moins, tu as des composantes connexes qui peuvent apparaître. Tu as des composantes connexes de groupes arithmétiques. Peut-être que je pense à des exemples péadiques. Peut-être que peut dans le cas réel, il n'y a pas de problème, effectivement. Dans le cas réel, il n'y a peut-être pas de problème. Mais... Tu vois, tu as des petits problèmes. Il faut prendre des, sous, des composantes. Oui, non, mais dans le, dans le, tu es d'accord. Dans le cas arithmétique, essentiellement, tu n'as pas de. Des, tu trouves des ah, qui oui. gamma comme un réseau, donc ils sont en fait des Ils sont des Q sous-groupes, d'accord. Ils sont définis sur Q. D'accord. C'est des composantes connexes de groupes arithmétiques. De, groupe, de Q groupes. C'est des composantes connexes de Q groupes. Il y a qu'un nombre fini, de composantes connexes, donc ça marche. Ouais, D'accord, effectivement. Dans le cas arithmétique, il n'y a pas trop de difficultés. T'as ah raison. Alors, attendez, j'en suis où Oui, alors voilà. Donc, j'ai ce lemme. Donc, aussitôt, qu'est-ce que je sais J'ai ma relation d'équivalence. Je regarde une nouvelle fonction. Je regarde la g-orbite de nu bx. Ben cette fonction elle prend, son, elle prend ses valeurs dans un ensemble dénombrable. Elle est mesurable. Hein, et elle est invariante par la dynamique. Et je vous avais dit, je crois que c'est ce qui est... Ah, je l'ai effacé. C'est que cette dynamique tb, b1-1x, là, elle est ergodique pour la mesure pour laquelle je regarde cette relation. Donc du coup, il n'y a qu'une seule orbite qui apparaît. Ça, c'est hyper classique, hein, dans la super rigidité, trucs comme ça, ça apparaît tout le temps, ce type de raisonnement. Il n'y a qu'une qu seule géorbite. Donc bilan, à cause de SLEM, hein, eh bien... Hein, je commence à construire, là, le fait que le groupe S, qui a une orbite qui apparaît, etc., c'est que, si je note il existe alpha, donc on va les appeler, euh, on va l'appeler R, l'ensemble des probabilités de Ratner, r de x allez. Il existe alpha appartenant à r de x d'accord, tel que bêta presque pour tout b, nu b presque pour tout x. Eh bien, nu bx, il appartient à l'orbite de G, à G alpha. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, nu Bx. Donc maintenant, je vais noter R. Ce sera le, le, le Gα, le stabilisateur de alpha dans G. Donc cette orbite Gα, c'est une copie de G sur Gα. Donc mon application BX donne euh, du BX, eh bien je peux la voir comme une application qui va de B croix X dans G sur R. D'accord Et je vais la noter, hein, je vais la noter euh, je vais lui donner un nouveau nom parce que NU Bx, c'est une mesure hein, et quand je veux, je veux juste changer, j'ai changé de point de vue. C'est un point, maintenant je n'ai plus la regarder comme une mesure mais comme un point dans un espace homogène. C'est le même objet mais je, veux, je préfère le regarder, je vais lui donner un nouveau nom pour, pour, pour simplifier. D'accord Ça c'est un point dans un espace homogène et maintenant il vérifie toujours, hein, donc j'oublie complètement les mesures maintenant. Je dis juste j'ai une application. B croix X de B, Bx d'un état BX qui est un point dans G sur R. Okay Et euh, état de TB B1 moins 1x, eh bien c'est toujours pareil, c'est B1 moins 1 état PX. Okay Donc maintenant j'ai juste exploité ça. J'oublie le contexte, mesure, mesure de Ratner, etc. Et je vais dire une dernière chose, hein, c'est que R est unimodulaire. Alors, ça, ça va jouer un rôle. Donc voilà, j'ai juste cette situation, j'oublie complètement d'où ça vient. J'oublie que c'est une UBX, j'oublie les machins. Et je vais juste exploiter ça pour en déduire les conclusions du LEM. Alors, euh, je vais noter S, et eh bien, qu'est-ce que ce sera Ce sera la composante neutre de R. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Dans cette situation, eh bien, je vais noter état. Euh, l'intégrale sur B croix x de eta bx d, beta b, enfin d nu bx d bêta de B. Et eh bien eta est une probabilité stationnaire. Hein, je vous avais dit, parce que si je commence à intégrer, quand j'intègre eta bx par rapport à nu bx, je trouve une famille eta b qui vérifie toujours ma relation d'équivalence. Et donc, je trouve un champ de mesure qui vérifie la bonne relation d'équivalence. C'est-à-dire quand je l'intègre, je trouve une mesure stationnaire. Hein donc, mu. Première chose, mu étoile état est égal à état. Deuxième chose, état est mu ergodique. Pourquoi ben Parce que état, il vient de ce truc-là. Donc, le, si, si je fais la construction qui m'a donné b croix x à partir de nul. Si je fais la même construction à partir de état, ben je vais trouver un quotient de cette chose-là. Trouver un système qui, 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 pose, qui vient d'une application mesurable de ça. Donc comme c'est un quotient de celui-là, puisque celui-là est ergodique, le système est ergodique. Hein, donc on... Ce système, il est ergodique. Cette mesure stationnaire, elle est ergodique. Et donc j'ai un espace homogène, j'ai un quotient de g par un sous-groupe fermé, unimodulaire, j'ai une proba stationnaire ergodique. Moi, je prétends qu'avec mes hypothèses sur gamma mu, là, ça implique qu'elle est portée par une, orma, une, une orbite du, du normalisateur. Hein? C'est juste ça que je vais utiliser. Alors pourquoi c'est vrai hein? C'est-à-dire quelque part Depuis le début... Zut, ça y est, j'ai effacé. Non, j'ai pas effacé. Depuis le début je travaille dans des espaces G sur lambda où lambda est un réseau, mais disons un sous-groupe discret. D'ailleurs, on va être obligé, dans une minute, on va être obligé de sortir du champ des réseaux, vous allez voir, avec ce problème de passer à l'orbite NX, etc. Mais, en fait, je pourrais aussi m'intéresser à cette question, quand, le, euh, quand je travaille sur les probas stationnaires, sur des espaces où le stabilisateur n'est pas discret. Alors, évidemment, si je travaille sur SL2, bah, j'ai la proba stationnaire sur P1. Hein, et ça, je sais que ce n'est pas une proba homogène. Donc, il y a des cas quand le stabilisateur n'est pas discret, ou je récupère des probas qui ne sont pas homogènes. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, ce cas discret, c'est la même chose que le cas où le stabilisateur est unimodulaire. Hein Quand je travaille dans G sur, dans G sur P, dans, dans, dans la droite projective, le stabilisateur, c'est le groupe triangulaire supérieur qui n'est pas unimodulaire. Hein Mais dès que le stabilisateur est unimodulaire, qu'on a des probas stationnaires, en fait, ça sera revient au cas des stabilisateurs discrets. Hein Parce que. C'est ce que dit Lem. C'est que, euh, en fait, la composante neutre, essentiellement, va se ramener au cas où c'est un sous-groupe normal. Hein. Donc, je vais le démontrer. Hein. Moi, je prétends, donc Lem, j'ai G qui est un groupe de Lie, mu une probabilité sur G euh, à, sans hypothèse de moment. Je suppose que euh, l'action adjointe de gamma mu... Euh, son adhérence de Zariski euh, est euh, semi-simple sans facteur compact. Et alors là, on va voir que c'est là que ça joue un rôle. C'est dans ce lemme-là, qui est un lemme qui est pourtant facile, mais c'est là où ça introduit une complication terrible de rajouter des facteurs compacts. <coughs> alors, euh, R, un sous-groupe fermé de G, qui est unimodulaire. S euh, la composante neutre euh, la composante neutre de R n le normalisateur unimodulaire de S État, euh, à faut être courageux pour écrire tout ça État à une probabilité stationnaire euh, sur l'espace G sur R, euh, ergo, et, et, qui est ergodique. Alors, il existe euh, un élément euh, G de G, il existe un élément X de G sur R, tel que... Euh, euh, quoi, alors, euh, J'aurais dû dire alors. Pardon, excusez-moi, non, ça va, c'est comme ça qu'il faut le dire. Tel que euh, gamma mu est inclus dans Gn G-1. Et euh, ça va pas dû le dire comme ça, non. Parce qu'il n'y a pas de x. Voilà. Euh, voilà. Donc, quitte à conjuguer, gamma mu normalise S de façon unimodulaire. Et euh, la mesure, un U euh, de euh, état, elle s'appelle maintenant, celle-là, de G fois. Euh, voilà. Hein? Donc je suis en train de dire qu'il y a une n orbite qui est de mesure 1. D'accord Sauf que peut-être que je suis obligé de changer le point base. Hein? C'est-à-dire ça. Euh, J'aurais pu dire aussi, quitte à tout remplacer par des conjugués, la n-orbite du point base est de mesure 1, et en fait, euh, on est porté par une seule n-orbite. Ça vous va, ou c'est pas clair hein Ce n, n c'est un surgroupe de r, parce que s est unimodulaire. Donc ça devient, un peu ça devient un peu groupe de lits méchant. Hein. En fait, nr c'est n aussi, hein. D'accord, je l'écris nr pour voir que c'est un ensemble d'anger sur R. Ça va Donc ma mesure, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait c'est sur une seule n orbite. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'apparaît ma n-orbite ici. Hein, dans la situation concrète qui vient des mesures du BX. Ça va le, Cet énoncé il est horrible, non C'est-à-dire, euh, hein, je dis, si j'ai une orbite, il hein, y a, y a ce, cette, cette proposition que j'ai effacée où je veux montrer, je veux construire ce sous-groupe n tel que j'ai mu de, n, nu de nx égale 1 dans ma situation g sur lambda, etc. Il vient de celle abstrait. abstrait. Hein. Il vient du fait que quand j'ai une proba sur un quotient g sur r, où euh, r est un sous-groupe unimodulaire, si elle est mu stationnaire avec toujours gamma mu qui vérifie mes hypothèses usuelles, et eh bien en réalité, ben, euh, je suis porté par une orbite, un, en fait je peux toujours me ramener, hein, je travaille sur une certaine orbite d'un sous-groupe, ma mesure est portée par une orbite d'un sous-groupe, et dans ce sous-groupe, eh bien, en fait, la composante neutre, ici, du groupe par lequel je vais est un sous-groupe normal. Hein Donc, c'est là, là qu'on voit apparaître ces situations de fibration. Et la démonstration de ce lème, euh, vous allez voir, c'est n'est pas du tout difficile, c'est juste qu'il faut le prendre dans le bon sens. Et ça, c'est vraiment, c'est la linéarisation et la Margulis. Qu'est-ce que je vais faire eh bien, euh, je vais introduire, alors démonstration, j'introduis euh, sigma qui sera la dimension de R, c'est-à-dire la dimension de S hein, aussi, puisque euh, euh, S est la composante neutre de R. Et euh, donc il y a une algèbre de Lie S, l'algèbre de Lie de S, et euh, je vais remplacer. Donc j'ai une action de G qui agit, il agit sur son algèbre de Lie par euh, action adjointe. Et donc il agit sur la sigma puissance extérieure, ok Et puis euh, dans la puissance extérieure sigma, il euh, y a aussi une droite qui est la puissance extérieure sigma de l'algèbre de li de S, ok Mais euh, donc cette droite, elle va être R-invariante puisque S est un sous-groupe euh, normal de R, hein, puisque S est la comp euh, R, il préserve son algèbre de Lie. Donc cette droite, elle est R invariante. Mais non seulement elle est R invariante, mais chacun de ses points est fixe par R. Parce que le groupe est unimodulaire. Donc le groupe est unimodulaire, hein donc il préserve le volume. Et dire qu'il préserve l'élément de volume, ça veut dire qu'il euh, préserve, euh, bah, préserve les points là-dedans. Je triche un tout petit peu, hein parce qu'on euh, pourra avoir plus ou moins 1 pour l'élément de volume. D'accord donc, euh, euh, il faut remplacer par le carré symétrique. D'accord Quand je préserve le carré symétrique, maintenant, là, c'est le carré de l'élément de volume, et celui-là, il est invariant par tous les gens qui préservent le volume. OK Donc, je vais appeler cet espace W, et je vais, appeler, je vais choisir V1, V sigma, qui est une base. Qui est une base euh, de. Euh, euh, qui est une base de quoi Une base de l'algèbre de l'IS. Et je vais poser W, qui sera ce produit extérieur, euh, V1, c'est pas beau ça, hein euh, V1 extérieur V sigma, que j'élève au carré pour le voir comme un élément de cet espace vectoriel. D'accord Et maintenant, pour l'action adjointe, pour l'action naturelle. Euh, qui est l'action S2 lambda sigma de l'action adjointe sur W, eh bien, le stabilisateur G du vecteur W, hein, le stabilisateur W, c'est exactement le groupe que j'ai noté N. Hein? Le, le stabilisateur de cette droite, c'est exactement les gens qui préservent l'algèbre de l'IS, mais en y préservant l'élément de volume. D'accord Donc Quand je regarde l'application orbitale, hein, maintenant, puisque j'ai un point dont je connais très bien le stabilisateur, ben j'ai mon application état BX là. Il appartient. Ah, pardon, il ne s'appelle plus état BX, pardon. La, la, mesure, la mesure état là, hein, il n'y a plus de d'état BX là. Hein, C'est une mesure de probabilité sur G sur R. Mais maintenant, G sur R, il s'envoie dans G sur N. Une autre façon de dire le théorème, c'est que si je la projette, si je prends ma mesure état et que je la projette dans G sur N, N c'est un surgroupe de R, je vois un point fixe. C'est ça que dit le J'aurais peut-être pu le dire comme ça, ça aurait été plus confortable. Hein. Ou encore, ideste, euh, euh, état, l'image de état dans G sur N est un point fixe. D'accord donc, maintenant, ce qui se passe, quel est l'avantage de G sur N sur G sur R R, je ne sais pas du tout si c'est le stabilisateur d'un vecteur dans une action linéaire. D'accord Mais N, oui. N, c'est exactement le stabilisateur d'un vecteur dans une, une représentation linéaire. Et donc, ça veut dire que cette, cet ensemble, c'est une partie d'un espace linéaire que j'ai appelé W. Et donc, si j'appelle cette application π, hein, l'application qui fait ça, eh bien, la projection π de État, c'est une mesure de probabilité sur un espace W. Alors maintenant, j'ai un groupe qui agit sur un espace vectoriel, et la représentation est somme directe de composantes fortement irréductibles. Bon, ben je sais très très bien quelle est la dynamique des produits d'éléments de mon groupe sur cet espace vectoriel. J'ai étudié ça. Enfin, moi je sais. Vous, vous en avez peut-être assez, mais vous l'avez quand même vu là à force. Bon, donc quand je prends et j'ai une mesure stationnaire sur l'espace vectoriel. Vraiment, le point clé, c'est l'unimodularité ici. Si je n'étais si pas unimodulaire, je pourrais faire cette construction, mais je me récupérerais une mesure stationnaire sur un projectif. Et ça, je sais que ça existe. D'accord Mais quand vous prenez des produits de matrice aléatoire, semi-simples, et que vous les appliquez à des vecteurs dans un espace vectoriel, ça a tendance à grandir en normes. Donc ça ne peut pas vérifier de la récurrence. Hein L'existence d'une probabilité stationnaire, elle vous dit qu'il il y a des gars qui, quand vous suivez leur trajectoire par les produits aléatoires, ils restent là. Mais ça, ce n'est pas possible parce qu'ils ont tendance à devenir gros. Ça veut dire que nécessairement vous êtes sur les points fixes. C'est la seule solution. Hein ce que j'ai dit, la théorie Furstenberg, alors je mélange l'écrit, c'est ça, là c'est là qu'on arrive c'est là qu'il se passe un truc. D'accord C'est comme on vit vraiment dans un espace linéaire et pas dans un espace projectif. Euh, L'existence d'une probabilité stationnaire, elle rend compte toute la description du comportement asymptotique des produits de matrice aléatoire qu'on a fait avec la théorie de Furstenberg. Et il bah, y, y a un problème quoi. Alors Furstenberg qu'est-ce qu'il dit précisément Il dit que pour tout U qui est un dans W, qui est gamma mu irréductible, non trivial, et là j'utilise son facteur compact parce que je dis que dès que je suis réductible et que l'action n'est pas triviale, la norme grandit. Hein Et dans le cas où il y a des facteurs compacts, il pourrait y avoir des facteurs où je tourne. Vous allez voir tout de suite ce que ça va faire. Pour toute composante irréductible non triviale, eh bien, quel que soit U différent de 0 dans U, bêta presque pour tout B, quand je prends Bn, la norme de Bn, B1, U, ça tend vers l'infini. D'accord en revanche, maintenant, si je, trans, je regarde le fait que j'ai une proba stationnaire, on va lui donner un nom celle-là. On va l'appeler pi, là. C'est pi comme dans le tech, il y a varpi et pi. Ça, c'est varpi. Je l'appelle varpi. Euh, point carré, le théorème de récurrence de point carré. Hein, Qu'est-ce qu'il me dit Il me dit que euh, pi, presque pour tout vecteur U appartenant à W. Hein, j'ai un espace avec une mesure stationnaire. Eh bien, euh, il existe une suite nk, pardon, alors pi pour tout point, le terme de récurrence point carré qui dit qu'il y a des, des gens qui ne restent pas trop loin quand je me balade le long de la dynamique. Donc ça me dit qu'il existe bêta presque pour tout b, il existe une suite nk telle que quand je prends bnk b1 appliqué à u, eh bien ça, la norme reste bornée. Hein L'orbite ne peut pas partir à l'infini, quand j'ai une transformation qui préserve une mesure de probabilité. Donc conclusion, eh bien si je prends un point typique pour la mesure pi là, sa projection dans chacune des composantes irréductibles non triviales est nulle. D'accord Donc ça veut dire que la mesure ne voit que les composantes irréductibles triviales. Donc la mesure est concentrée sur les points fixes. Ok <coughs> Donc, conclusion. Hein eh bien, vu que les polymètres aléatoires des éléments qui ne sont pas invariants, ils ont tendance à partir à l'infini, ça veut dire que eta est concentré euh, sur les points fixes de W dans gamma mu. Ah, mais si eta est concentré sur les points fixes, elle est ergodique. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que eta, c'est la masse de Dirac en un certain vecteur u, qui est un point fixe dans gamma u. Hein, ce qui est exactement ce que je voulais. Hein, C'est-à-dire que ma mesure état, elle était sur mon orbite g sur n, mon orbite g sur n, hein, comme elle était du type le normalisateur, le quotient par le normalisateur unimodulaire d'un sous-groupe connexe de g, eh bien, c'est une orbite dans un espace vectoriel. Hein, tout. Tous les quotients de G ne sont pas des espaces sont pas des, 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 des orbites dans des représentations linéaires. Mais pour ça, c'est bon. Okay. C'est là, c'est un orbite dans un espace linéaire. Donc du coup, bah, je sais que euh, l'image de ma mesure est un point fixe dans G sur N. C'est exactement ce que je voulais. Le point clé, c'est ça, c'est que quelque part je. C'est une représentation hyper vicieuse, parce que le, le point clé, c'est que cet espace G sur N qui apparaît, en fait, c'est une orbite dans une représentation linéaire. C'est pour ça que ça marche ce truc-là. Hein Cette G sur N est une orbite dans une représentation linéaire. Voilà. Et c'est très bien qu'elle y a la dynamique dans les représentations linéaires. Donc je vous dis, c'est du vrai Margoulis, ça c'est vraiment, hein, si vous lisez euh, la supériorité, des trucs comme ça, etc. Dès qu'on peut, dès qu'on peut plonger une action comme une orbite invariante dans une action linéaire, on fait ça et on utilise des théorèmes d'algèbre linéaire. Quoi. Hein voilà. Euh, qu'est-ce qu'il me reste à dire Là j'ai quasiment terminé, non Je voulais dire un truc. Oui, je voulais dire un truc. Quand il y a des facteurs compacts, qu'est-ce qui se passe ben, C'est que vous ne savez pas que la mesure, elle est sur les invariants. Vous savez, et du coup, cette propriété que gamma normalise le groupe, ben, ce n'est pas vrai. D'accord Donc vous n'avez plus un groupe normal. Le groupe de Ratner, là, aléatoire, c'est plus un groupe normal. C'est un groupe qui tourne en fonction d'une action par un groupe compact. Donc, ça, on voit à peu près ce qui va se passer, mais ça devient un peu compliqué. quoi. Et donc, ces situations se produisent. Si on a le temps, je vous construire des exemples. Quand il y a des facteurs compacts, ce lemme, qui est pourtant, qui a l'air complètement général, magique, universel, et eh ben, il pose un problème. On sait très bien conclure ce qui se passe. Mais vous avez le problème que vous avez des probas stationnaires dans des espaces vectoriels parce que vous avez des représentations. Si votre groupe il a un facteur qui est SO3, bah vous avez la représentation de SO3 dans R3 et vous pouvez tourner quoi, avoir une belle orbite, euh, avoir une belle sphère dans un R2, dans un R3 et bon bah, voilà, vous avez votre sphère quoi. Et donc euh, ces trucs-là, on va les traîner et ils existent. Hein. Voilà. Bon, c'était juste l'endroit voilà. en fait, clé où j'utilise 100 facteur compact, c'est Solem. Ce dans ce lemme, ben là, pour vraiment avoir quelqu'un qui est normalisé par gamma mu, etc., on est obligé d'avoir 100 facteurs compacts. Sinon, on a ce problème des orbites qui peuvent tourner et c'est rédhibitoire. Ce voilà. Donc c'est pas, pas une complication, parce qu'on voit bien ce qui peut se passer. Mais, mais bon, ce n'est enfin, pas euh, insoluble, mais on, on galère après un peu. Voilà. Bon bref. Je reviens à quoi Euh, 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 pi, 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 oui c'est ça, pardon. Euh, elle S'appelle pi, excuse-moi, merci. Hein C'est-à-dire pi, c'est ce que j'ai appelé l'image de bêta dans G sur N. Hein voilà, merci. Dans G sur N et donc dans W parce que G sur N je vois comme un sous-ensemble de W. D'accord ah, C'est ce que je dis, c'est G sur N, c'est une partie d'un espace vectoriel. Voilà. sl de r sur sl de z ce n'est pas une partie d'un espace vectoriel. Par contre, voilà. C'est un quotient bien visé pour que ce soit une partie de l'espace vectoriel. Alors je reviens. Hein, donc moi, qu'est-ce que j'ai dit maintenant Je vous rappelle la construction. On s'était traîné état qui était l'intégrale des eta bx, des nu b de x, d bêta de b. D'accord Et état euh, bx, c'était un point de g sur r. Et qui n'était qu rien d'autre que G alpha, où alpha c'était une probabilité de Rapner fixe. D'accord Donc évidemment, le alpha, on s'en fout complètement, c'était un choix arbitraire dans l'orbite. Hein donc je peux très bien supposer que mon point fixe, maintenant, quand je le vois dans G sur N, je peux supposer que mon point fixe, c'est le point base. Hein c'est plus simple, ce qui m'évite de me trimballer le G qui est ici. Hein donc je peux supposer, ce que me dit le lemme général qui est ici, c'est que je peux supposer hein, que si euh, je pose donc S, c'est la composante neutre de R, hein. on peut supposer que euh, gamma mu est inclus euh, dans euh, N, qui est le normalisateur unimodulaire, et que euh, la mesure que euh, bêta de n alpha est égale à 1. Okay. Ce qui veut dire que euh, euh, bêta, parce que pour tout b, Nub presque pour tout x. <coughs> eh bien, euh, euh, quand je regarde x, elle est de la forme nbx alpha, où nbx appartient à n. Hein, je, choisis, euh, je choisis un nbx. D'accord Bon, bah alors maintenant... Euh, Là, je suis en train de terminer là, la démonstration de l'existence de la n-orbite dans G sur lambda. Bah, là, je l'ai, ma n-orbite, parce que je vais choisir un point Y. Alors, je l'ai appelé X dans l'énoncé, désolé, mais là, j'ai déjà des X. Je vais choisir un point Y qui appartient au support euh, de la mesure euh, euh, alpha. D'accord Et maintenant, eh ben, euh, ce que je sais. Ah oui, alors déjà, j'aurais dû dire, excusez-moi, hein, en particulier... Puisque ce NBX, il normalise le groupe, la composante connexe du stabilisateur de alpha, SBX, ben c'est S. S. D'accord NuBX, hein c'est NBX fois alpha. D'accord Donc, euh, bon, NuBX, ben, euh, c'est une proba de Ratner, et euh, la composante connexe de son, de son, de son stabilisateur, c'est le, le conjugué par NBX de la composante connexe du stabilisateur de alpha. Mais précisément, NBX, il appartient à N, donc c'est S. D'accord Donc, euh, euh, je prends y dans le support de alpha. Et bien, qu'est-ce que je viens de dire C'est que euh, 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 nu bx, hein, c'est nbx, c'est la mesure de Ratner euh, qui pousse alpha. D'accord Donc, en particulier, nu bx de ny est égal à 1. D'accord Donc maintenant bilan nu, comme c'est vrai pour tout bx, ben, nu de n y est égal à 1. Donc la mesure de nu, nu, elle est concentrée sur une orbite de, de n, et puis ben, comme nu bx, elle est s invariante, ben, nu, elle est s invariante. Ok Alors problème, hein. problème c'est que euh, j'aimerais bien oublier le reste de G. Parce que. Euh, alors, euh, donc euh, tout le théorème que je démonte depuis le début, j'ai supposé que lambda était un réseau, mais maintenant euh, j'ai un problème, c'est que je ne sais pas que le stabilisateur de Y dans N est un réseau. Hein. Et j'ai des exemples où ce n'est pas vrai. Donc euh, c'est pas vrai. Donc euh, c'est pas grave. Je vais le théorème en supposant que lambda est un sous-groupe discret. Ah oui, mais j'ai utilisé réseau à un endroit. Mais J'ai utilisé à un seul endroit. J'ai utilisé pour dire que quand on prenait la marche aléatoire associée à mu dans G sur lambda, elle passait pas trop de temps dans les endroits de G sur lambda où le rayon d'injectivité était trop petit. Hein, c'est exactement là, c'est le seul endroit où j'ai utilisé le fait pour la classification des mesures stationnaires, s'entend. Hein, c'est le seul endroit où j'ai utilisé le, euh, euh, le, le fait que euh, le, 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 le lambda était un réseau. Mais ça, ça s'hérite par ny. Même si n ny est, est dense ou n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Là où le rayon d'injectivité, si le rayon d'injectivité pour g sur lambda, n ny, c'est un, une orbite plongée dans g sur lambda, enfin, c'est une orbite immergée, elle peut-être dense, elle peut-être je sais pas quoi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le rayon d'injectivité est minoré pour g, ben n, il peut pas, c'est-à-dire que vous avez votre g sur lambda, là, puis il y a le casque, quelque part, mais quand vous restez là la n orbite, elle peut revenir, mais il faut qu'elle mette du temps pour revenir. Puisque localement, vous savez vous avez des petites cartes qui sont injectives. Donc si elles sont injectives pour n, et g, elles sont injectives pour n. D'accord? Donc euh, si jamais, hein, donc on appelle ça, nous, on a donné un nom, c'est exponentiellement récurrent hors des cusps hein, C'est-à-dire que si G sur lambda est mu exponentiellement récurrent hors des cusps c'est-à-dire que. La, mesure, la marche aléatoire mu revient très très vite en dehors, de, dans les endroits où il y a injectivité minorée. Ben, c'est encore vrai sur la n-orbite. C'est vrai sur n y. La même chose. Quand on, parce que gamma est vide en n, hein, donc on peut aussi voir cet, cet espace comme un espace homogène d'un groupe contiagé. Cette propriété est sérite. Ok. Donc en fait, tout le théorème que j'ai démontré depuis le début. Au lieu de supposer lambda réseau, on va supposer ça. Lambda est un sous-groupe discret de G, et mieux est exponentiellement récurrent hors des cas. Et puis, on, on peut montrer que si lambda est un réseau, c'est le cas. D'accord Et donc, euh, maintenant, mais comme on veut faire des récurrences, et qu'à un moment, bah, on a envie d'introduire des sous-groupes, et qu'on on perd le, 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 le caractère euh, réseau, bah, on est obligé d'introduire cette hypothèse un peu inconfortable. Hein voilà. Mais du coup, comme on sort des réseaux, bah, maintenant, c'est bon. On peut faire que, on peut remplacer G par N. Donc pour classifier les mesures stationnaires, eh hein, bien on est ramené, on a montré que quitte à remplacer, sous les hypothèses qui sont là-haut, hein, on peut supposer, on peut supposer, il existe un sous-groupe S de G de dimension strictement positive qui est normal. Hein, Tels que nu et S invariante. Et voilà, c'est là qu'on a fabriqué de la, de la nouvelle homogénéité de la mesure. Et euh, euh, quoi et S inter lambda est un réseau de S. Hein? Ça, parce que ça, ce n'est pas comme le réseau dans N. On sait que S inter lambda est un réseau de S parce que. Euh, il est là, s'il préserve hein, le, le, le point base y, là on sait que ça. Il vient avec sa mesure alpha qui est là, donc on sait que s, la, la s-orbite de y est de volume fini. Hein, voilà. Bon, bah, c'est bon parce que maintenant c'est ce que je vous disais au début. J'introduis g bar, on a quasiment terminé, ouais, j'étais bon aujourd'hui, là. j'ai fait pile deux heures. g bar, c'est g sur s. Hein c'est la situation fibrée là, que je dessinais, j'ai 20, pour une minute quand même, tant pis. À bien faire le dessin. Hein. Quand, quand on a une situation comme ça, on a G un groupe, lambda un sous-groupe discret et euh, euh, un sous-groupe S qui est distingué. Et S inter lambda est un réseau de S. Alors à ce moment-là, il y a un quotient dans l'espace de réseau. Hein. Donc il y a une fibration. La base, c'est G bar. Donc on, on va poser lambda bar, ce sera lambda S sur S, c'est-à-dire Lambda sur lambda inter S, D'accord Donc on a G bar sur lambda A bar. On a une fibre qui est S sur S inter lambda. Je hein c'est un machin, c'est un tort, un truc, voilà. Et on a une fibration comme ça. Et ça, cette grosse fibration, c'est G. L'espace total de la fibration, c'est G sur lambda. C'est ça, c'est dans cet espace qu'on est en train de travailler. Et donc, on a une proba qui est S invariante, d'accord et euh, qui est mu stationnaire, ben ça, les probas, hein, les s-invariantes, invariantes sur euh, G sur lambda, c'est exactement la même chose que les probas sur G bar sur lambda bar. Si vous êtes s-invariant dans la fibre, bah, la mesure conditionnelle sur la fibre c'est la mesure de R de S, et puis voilà, vous avez une proba en bas, quoi. D'accord Donc maintenant, vous avez une proba. Et cette bijection, naturelle, entre les probas S invariantes sur l'espace total de la fibration et les probas sur la base, elle est équivariante sous le groupe d'automorphisme elle est équivariante sous G. D'accord Donc les probas S invariantes qui sont mu stationnaires, ben c'est la même chose. Donc à partir de ma mesure mu, et ben je me récupère une mesure mu stationnaire sur la base. Ergodique, parce que j'échange les probas ergodiques, et j'applique la récurrence pour dire qu'elle est homogène. Vous êtes d'accord ben, Je vous ai eu, parce qu'il y a une astuce. C'est la récurrence hors des cusp. C'était juste comme ça, là, pour voir si vous suiviez. Hein C'est qu'il faut montrer que si j'ai sur lambda un mu récurrent hors des patata, j'ai sur lambda bar sur lambda bar avec récurrent hors des cusp. D'accord Ça, c'est une difficulté méga technique. Euh, vous voyez, on y arrive à, au bout de 10 heures. Nous, il nous a fallu pas mal de temps pour comprendre qu'on avait un truc à démontrer. Et c est, c est, donc là, il y a un, y a un truc, et ce n'est pas très dur, hein, mais euh, voilà, c'était juste pour voir si vous suiviez jusqu'à la fin. Hein. C'est juste que. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette situation C'est qu'en fait, vous avez un problème sur qu'est-ce qui se passe quand vous. Donc, bon, essentiellement, à ça près, là, c'était juste pour vous arnaquer. Hein, à ça près, on a terminé. Voilà, hein, à ce petit problème technique que j'ai juste soulevé là pour vous embêter, on a terminé. Hein. Si on a la classification en bas, il y a ce petit problème de savoir ce qui se passe dans les cusps là-dedans. Par exemple, si lambda, c'est bon, dans le, mais c'est la seule difficulté. Hein. Si on a une proba stationnaire homogène, bah elle se relève en une proba homogène et puis c'est fini. Voilà. Ah, donc juste, il y a une toute petite difficulté. C'est que dans cette situation générale, avec un sous-groupe normal, etc., etc. qu'est-ce qui se passe? Comment comparer hein, le rayon d'injectivité euh, en bas avec le rayon d'injectivité en haut. Si c'était des réseaux, on n'aurait aucun problème, parce que faire diminuer le rayon d'injectivité, c'est sortir des compacts. Donc, si vous sortez des compacts en bas, bah, c'est que vous êtes sorti des compacts en haut. D'accord Mais ce qu'il faut montrer, c'est que quand le rayon, dans le cas général où lambda est un sous-groupe discret, si quand on fait diminuer le rayon d'injectivité en bas, c'est nécessairement que les points au-dessus ont diminué leur rayon d'injectivité. D'accord Donc, il y a une petite proposition. Voilà. Une petite proposition, c'est que, sous ces hypothèses, et c'est voilà, c'est la proposition qui me qu manque pour faire l'argument de récurrence, parce que maintenant, j'ai voulu oublier le cas où lambda était un réseau, parce que je suis obligé de sortir de ce cas-là en général. Eh bien, la proposition, euh, c'est que si G est un groupe de Lie, si lambda est un réseau, euh, pardon, lambda est un sous groupe discret. Si S est un sous groupe distingué de G, et tel que G est unimodulaire dans, la G, dans, dans S, c'est-à-dire que non seulement je normalise, mais je normalise de façon unimodulaire, <coughs> tel que S inter lambda... Soit un réseau de s. Alors, maintenant, je veux comprendre comment comparer le rayon d'injectivité en bas avec le rayon d'injectivité en haut dans cette vibration. Hein, j'ai mis les hypothèses qui garantissent que j'ai cette vibration. Alors, je vais poser, je vais noter le rayon, je vais poser x. Hein, ce sera comme d'habitude. J'ai sur lambda et je vais noter le rayon d'injectivité d'un point. Qu'est-ce que c'est Alors, je vais donner une définition. On pourrait en donner mille, hein, c'est tout à plus ou moins la même chose. Je vais prendre le minimum <coughs> de l'ensemble des normes de v, où v est un élément de l'algèbre de l'i. Euh, la norme de v est plus petite qu'un certain r0. Je vais vous dire dans une minute ce que c'est que r0 et l'exponentielle v euh, de x, c'est un élément qui stabilise le point. Hein, et R0, c'est quelqu'un de suffisamment petit pour que l'exponentielle soit un etc. Je fixe un R0 très petit pour que l'exponentielle soit un sur son image et je regarde la norme du plus petit gars. Hein, j'ai une petite boule dans la de lit. Et qu'est-ce que c'est que les endroits où le rayon d'injectivité est petit Là, c'est les endroits où j'ai des cusps, Ça veut dire qu'à un moment, il ben, y a un petit élément hein, dans le stabilisateur de mon vecteur, de, de mon point dans la de lit. Donc je prends une petite carte. Dans l'algebra de l'I, et je regarde la norme du plus petit élément dans le groupe. Et puis sinon, bah, si jamais il n'y a pas d'élément là-dedans, bah, je prends R0. Ce qui m'intéresse, c'est quand ce rayon d'injectivité est petit. Hein. C'est qu'est-ce qui se passe quand je suis loin dans les clubs. Voilà. Et alors, sous les hypothèses que je viens de donner, eh bien, le rayon d'injectivité, hein, on a appelé ça Rx domine Rx bar, hein, Idest. Alors, hein, sous ces hypothèses, il n'y a pas de mesure de proba là, c'est juste un théorème de structure des groupes de Lie. Hein, les, le rapport entre les de G sur lambda et g sur le bar sur lambda. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, quel que quel que soit epsilon, il existe euh, alpha, tel que pour tout x <coughs> euh, dans euh, x, hein, x bar, x bar c'est g bar sur lambda bar là. C'est-à-dire g sur lambda s, et bien pour tout x dans x, si le rayon d'injectivité en x est plus grand que alpha, euh, alors le rayon d'injectivité dans la base de la fibration ne peut pas. Alors la base de la fibration, c'est l'orbite Sx, le point, le point qui est en dessous, hein, j'ai mon point là. Si le rayon d'injectivité n'est pas trop petit là, ben il n'est pas trop petit à la base. Ah, c'est un théorème de transversalité, quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas. Le, 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 injectivité, d'injectivité s'obtient par des mecs qui se décomposent bien. Euh, ça, c'est plus grand que Epsilon. Hein. Donc si, on ne peut pas rendre celui-là arbitrairement petit euh, sans aller euh, très le, très, euh, vers zéro dans la, dans la fibre quelque part. Hein. Voilà. Donc ça, c'est juste un truc. Voilà, bon, c'est juste... Peut-être que je suis trop technique. Hein. Voilà. mais c'est pour dire que ici, eh bien, je peux bien passer au quotient. La récurrence hors des cusps, ici me garantit la récurrence hors des cusps dans le quotient. Parce que si je suis allé quelque part où le rayon d'injectivité était très petit dans la base, hein, eh bien, ça veut dire que j'étais nécessairement, j'avais fait diminuer le rayon d'injectivité dans la fibre. Voilà. Donc ça c'est, une fois qu'on a ça... Eh ben, on peut faire implémenter correctement la récurrence. Voilà. Donc ça, alors ça, c'est pareil. Hein. Il n'y a, euh, euh, a absolument euh, rien de... de, de il n'y a pas d'argument euh, euh, un peu magique, théorie ergodique. Tout à coup, on met un input qui vient des probas ou n'importe quoi. Ça, c'est de la structure des groupes de lits. Hein, c'est euh, euh, encore une fois... Euh, il n'y a, a même pas... Parce que dans, dans le dernier, là, que j'ai cité, c'était le lemme de dénombrabilité là, de Ratner. Euh, j'utilisais fortement, là, je, dans le, le sketch of proof là, que je vous ai donné, j'ai utilisé le fait qu'un réseau euh, dans un groupe de lie connexes était de type fini. Quand ce le, n'est quand le pas un réseau co-compact, c'est juste un réseau de commune fini, c'est un théorème dur. Ça utilise l'arithméticité, ce théorème, dans toute sa généralité. Hein c'est euh, un théorème qui est spécifique du cas réel. Il hein, euh, y a des groupes de Lie, il y a des groupes algébriques euh, sur des corps localement compacts de caractéristiques positives qui admettent des réseaux qui sont de type infini c'est un théorème spécifique, c'est un théorème qui utilise beaucoup de choses, Ce enfin, n'est euh, voilà, pas un réseau dans quelque chose qui est grosso modo un groupe semi-simple et de type fini. Enfin, euh, il voilà. le, 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 y, y, y avait quand même le théorème de il y avait le d de Margolis dans le lemme de Ratner. Ce n'est pas le cas dans ça. Hein. Ça c'est vraiment que des manipulations élémentaires sur les groupes de Lie. Le, encore une fois, la théorie de structure, les, le radical, le, le quotient par le radical, c'est semi-simple, etc. Enfin, c'est pas pas très dur. Hein. Voilà. Voilà. Et eh bien j'ai fini pour aujourd'hui, là oui. je m'arrête à une heure extrêmement raisonnable. Merci beaucoup. A jeudi prochain pour ceux qui sont courageux. Voilà. Jeudi prochain on fait la dérive là. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Voilà.